Et surtout mon outil est meilleur pour son fond de son appel Yako. Bonne bonne tout et tout le monde. Certains se servent de nous pour pouvoir s'enrichir. Comment on fait, Seigneur, pour mériter ce sort? Assassiné quand il était dans ta présence. Si ça va sauter. Ça va se faire. Comme... Oh, ça me fait trop rire. Bafouille ne vient comme la Seigneur. Je sors ma tête à qui. Et surtout mon outil est meilleur pour son fond, mon frère Béat. On va faire tout et tout, mon frère Béat. Le loup est entré dans la bergerie. Certains se servent de Dieu au lieu de servir Dieu. L'idolâtrie est entrée dans l'église. Certains se servent de nous pour pouvoir s'enrichir. Bafouille ne vient comme la Seigneur. Je sors ma tête à qui. Et surtout mon outil est meilleur pour son fond, mon frère Béat. On va faire tout et tout, mon frère Béat. Le loup est entré dans la bergerie. Certains se servent de Dieu au lieu de servir Dieu. L'idolâtrie est entrée dans l'église. Certains se servent de nous pour pouvoir s'enrichir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Déjà? Comment on fait, Seigneur, pour mériter ce sort? Ce que assassiné quand il était dans ta présence, Seigneur.
Salut à tous, salut à tous, toi, Ivoirien, Ivoirien, je suis votre M serviteur, le général Bagbadède, l'armée céleste, combattant du salut. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, comme je le dis si bien, on avait rendez-vous aujourd'hui, à partir de 16h. Mais écoutez, chers frères et sœurs, hein? Hi, hello, Romidad, hein? Comme on dit si bien chez nous ici. Je suis venu ici dans un cadre bien précis, répondre à... C'est la même chose, hein? Je vais me permettre de répondre parce que si j'ai commencé à déconstruire les enfants, c'est le vieux père qui va venir. Donc, ensemble, peut-être ceux qui ont eu le privilège d'écouter le dire de Camille Makoso, ce petit morveux. Eh, hey, Seigneur Jésus, ah, laisse-moi. Chers frères et sœurs, pardonnez. Hein? Il y a des gens qui ne me connaissent pas encore. Eh, hey, Seigneur Jésus. Makoso, je vais te dire une seule chose. Ce direct-là, depuis belle lurette, tous les directs que je fais, quel que soit pour un citoyen lambda en Côte d'Ivoire qui pleure, Bouba, Axel, Guitrozon, X, Z, j'en citerai et je te le dis si bien si tu ne sais pas pour ta bonne gouverne. Bidola, là, moi j'ai commencé avant toi. Où tu sortais de prison là, où on commençait à dire à faire vidéo. Donc il faut te calmer. Voilà. Je t'ai bien dit, ta séduction dans laquelle tu es venu prendre peut-être les réseaux sociaux, c'est toi tu vois. Est-ce que tu comprends? Voilà. Comme moi je suis en train de te dire, tu sais, je le dis toujours, je suis là pour les opprimés. Et quand je dis je suis là pour les opprimés, ne pense pas que c'est de l'amusement. Parce qu'on dit un homme, il marche, il laisse des traces. Mes traces sont là. C'est-à-dire à travers mes œuvres sur les réseaux sociaux. Voilà. Et j'ai dit toujours, je ne parle pas au nom de la famille Kosséré, ni Dogo, ni Lorignon. Je parle à mon nom personnel parce que je porte ma croix en tant qu'un garçon. Et j'aimerais te dire ici dans ce direct-là, trop de choses ont été dites dans ton direct. J'ai pris un temps, je regarde, j'analyse. Comme tu n'es pas intelligent, ce que tu vas berner là, ce que tu vas prendre pour des imbéciles et des ploucs, c'est la famille Kosséré, c'est la famille Dogo, ou bien c'est la famille Lorignon. Mais moi, Choco Atamira, je vais te démontrer que tu n'es rien. Ah ah! Je vais te démontrer que Camille Makoso Ariel, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, là, toi, tu ne vaux rien. Donc, ça peut te dire que il faut te calmer. Tu peux séduire certaines personnes, mais il y a certaines personnes que tu ne peux pas séduire. Un homme, quand il parle, il apporte des preuves. C'est-à-dire que ça t'a tellement fait mal que parmi tous les cyberactivistes, ou même tu as cru que quand je bossais avec toi, là, c'est ta mère ou même ton père, là, quand je bossais avec toi, là, j'ai fait un contrat de bail, j'ai fait un contrat de travail, où à chaque moment, je dois peut-être, j'ai juré avec honneur et fidélité, toi, Makoso, d'être fidèle à ta personne. Tu penses que quand tu me regardes là, je suis comme tes enfants maudits là, qui te suivent là. Tu penses que c'est pareil à eux, Makoso? On peut tromper tout le monde. Il y a certaines personnes qu'on n'arrive jamais à tromper. Est-ce que vous comprenez? On peut tromper tout le monde, Camille Makoso. Il y a des personnes qu'on n'arrive pas à tromper. Donc, si c'est pour ça là, il faut te calmer. Ce que tu as dit là, à partir de la 50e minute, je vais te démontrer que tu es un enfant. Il ne faut pas oublier que le vuvuzela là, moi, je vais te rappeler, ici, là, je vais te faire la biographie de ma famille. Comme tu dis, d'après toi, on va t'écouter. Et point par point, moi, je vais te répondre. Alors, si c'est ça, j'ai le souffle pour ça. Tu as envoyé PD, cuit qui coule. Tu as envoyé deux PD. Il va dire ça. Tu allais prendre la jeune fille qui est un peu perdue dans sa vie. Il va dire ça. Tu allais prendre tes enfants. Il va dire ça. Et puis, c'est toujours les mêmes méthodes, là.
Tu viens démontrer à la nation ivoirienne que tu es tellement naïf à telle enseigne que tu, je sais pas. Je te dis que ce que tu peux narguer là, c'est la famille Lorignon ou bien Dogo ou bien X. Ce que tu peux narguer. Mais Makoso, comme tu dis tu es guéri maintenant là, tu dis tu es prêt là, c'est qu'on est prêt à mettre maintenant des choses maintenant, tu es prêt. Ne serait-ce qu'un petit témoignage t'a rendu un peu bête. Hein? Ne serait-ce qu'un petit témoignage t'a rendu un peu bête. Ou tu... Le grand succès du Zouglou, une musique née dans les quartiers populaires d'Abidjan. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si je dois vous dire partager le direct, mais en tout cas, je n'ai même pas besoin de vous dire partager le direct. Parce que vous savez que nous sommes dans une rubrique hein, où nous permettons de dire ce que nous pensons. Ce qui est tellement simple que ce qu'on appelle la vérité. Vous comprenez? Voilà, j'ai dit toujours, excusez-moi du thème, si mon papa a bien fait l'amour à ma maman là, que Choco à Tamira. Si mon papa, père à son âme, a bien fait l'amour à ma maman, que Choco à Tamira est sorti comme un bel homme là, c'est pas de ma faute. Ah, c'est pas de ma faute. Donc, Camille Makoso. C'est toi qui réunis tes parents. Chers frères et sœurs, partagez-moi ce direct-là. Hein? Partagez-moi ce direct-là parce que cette fois-ci-là, Marianne, je ne t'ai pas appelé ici, donc tu peux aller au fond là-bas. Voilà. Cette fois-ci-là, Makoso, tu auras ta dose. J'attendais. On dit qu'il faut tuer son Goliath. Bon, ce qui est sûr, monsieur. Kosatia, moi je ne vais pas te répondre. Parce que si très loin de mon téléphone, tu vois un peu, non, il y a mes mains ici. Si très loin de mon téléphone, je ne peux pas te répondre. Donc tes bêtises à deux balles là. Il faut répondre avant toi. Quand tu as fini d'écrire, tu seras fatigué. Ce qui va me plaire là. Henri Choco a fini là. Il a 3000 commentaires. Il y a 3000 commentaires là. Hein, ta naïveté de commentaires dedans. Donc ça me plaît. Voilà. Bon, chers frères et sœurs, nous allons souffler un peu en musique. Hein? Les derniers témoignages à la destination. Ok, il n'y a pas de problème. On souffle un peu en musique. Makoso, je suis là. Le grand succès du Zouglou, une musique. Coupe le nez quatre fois. Le grand succès du Zouglou, une musique née dans les quartiers populaires d'Abidjan. Depuis 90, le Zouglou est calé. Cimenté, on ne peut pas nous déraciner. Zouglou, ils font partie des meilleurs de leur génération. Ils sont avec nous aujourd'hui pour nous faire l'historique de la musique Zouglou. Cher public, veuillez recevoir le groupe Sans Façon. Ça a commencé sans véritable identité. Toute musique moderne ivoirienne était importée. Le but de Portao, c'était de s'enjaler. Souk reggae ma posa, Ngolo Rumba salsa. On avait tellement duré dans sa voilà pourquoi les grands francs criaient. Bolo para, bolo, pere, 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 pere. Ah, c'est lui qui a dérangé un Makoso. Ah,
Aïe! D'accord, merci à tous, merci à tous, toi chers frères et sœurs. Je serai un peu long dans ce direct, on va se parler. Je tenais à vous dire bonne fête d'Ascension, c'est la montée du Christ et c'est un jour béni pour nous. Voilà. Donc, bon, Ivarène Varienne, comme j'ai suivi tout à l'heure, un peu, c'est-à-dire vers la fin, j'ai suivi un peu le direct de ce petit Makoso. Parce que moi, je l'appelle un petit. C'est un petit qui s'exhibe. Voilà, c'est un petit qui s'exhibe. Allez, après avoir fini d'envoyer aujourd'hui ces petits enfants-là, lui-même, il vient encore dire certaines choses. J'aimerais dire ça à la nation ivoirienne, à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. J'ai choisi un combat, et ce combat-là, je l'ai trouvé noble. C'est-à-dire la personne de son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, par la fébrilité de Camille Makoso, veut associer mon combat à celle de la famille, c'est-à-dire la famille maternelle de Tatiana Kosséré. Je dis rectificatif. J'aimerais d'ici à la nation ivoirienne, rectificatif. Nous allons prendre le soin d'écouter un peu Camille Makoso. Je l'ai dit et je le répète. Dans le combat où j'ai mis mes deux pieds là, Camille Makoso, quand ça fuit en Côte d'Ivoire là, ceux qui ont donné poitrine pour la nation ivoirienne, et ce qui me plaît, on dit un homme il marche, il laisse des traces. Quand je dis là, mes amis, mes anciens collègues, feu, mes collègues vivants, ils savent qui est cet homme qui est assis devant les pieds en train de parler. Un garçon ne se dit pas garçon. Mais quand ça a commencé là, ils ont vu qui était réellement garçon. C'est-à-dire, où certaines personnes ont donné la poitrine pour la nation, là. Mon nom peut être inscrit et mon nom est inscrit. J'aimerais que tu saches cela. Mais comme tu penses que tu vas emmener sur un terrain de la politique, je ne vais même pas te donner ce temps-là. Tu as un problème particulier avec ceux qui ont porté plainte contre toi, avec ta famille. C'est-à-dire même pas ta famille, contre toi. Et à travers tes propos, comme tu dis, tu ne sais pas la procédure en cours. Voilà pourquoi je me permets souvent de faire un droit de réserve. Pourquoi je fais un droit de réserve? J'attends la justice de Côte d'Ivoire. Quand tu veux nous associer à la politique, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais le volet politique, ou là où le terrain où tu veux nous emmener là, si c'est là-bas tu veux nous emmener là, mon frère, ce n'est pas à moi que tu fais du mal. Tu veux échapper à quelque chose qui est la vérité. Parce que pourquoi
parmi tous ceux qui ont fait vidéo là, tous ceux qui ont fait vidéo là, pourquoi je suis la cible numéro un? Tu envoies des petits qui ne pouvaient pas m'éteindre. Tu envoies des personnes qui ne peuvent pas quand même m'attaquer. Toi-même, tu sors encore, tu viens de des insanités. Pour un homme de Dieu, voilà pourquoi aujourd'hui, je le dis en vérité, je me suis levé contre le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Parce que j'estime que, en ma qualité de jeune, en ma qualité d'un homme réfléchi et pensif, je me suis dit qu'à un certain moment de la vie, on peut être béni, mais à un certain moment de la vie, on se réveille. Et nous estimons que nous nous sommes réveillés et trop, c'est trop. Voilà pourquoi, quand tes pratiques occultes que tu faisais à Paris ici, là, que tu faisais à Paris ici, là, tes pratiques occultes que tu faisais à Paris ici, là, tu le sais très bien. Tu t'en vas. Tu m'as démontré aujourd'hui ta bassesse d'esprit. Où tu prends des vidéos, où tu payes des gens, où tu me payes. Tu me connais, toi-même, tu dis tu me connais. Mais moi, je n'ai même pas besoin de te connaître, Camille Makosso. Je n'ai même pas besoin de te connaître. Je le dis et je le répète. On ne se glorifie pas vis-à-vis d'une famille. On ne se glorifie pas vis-à-vis d'une famille. Sinon, quand on dit famille, là, quand on dit famille, là, je dis et je le répète. Je suis le petit-fils du général Zézé Baroin. Tu es qui même en Côte d'Ivoire? Qui te connaît en Côte d'Ivoire? Mon nom est inscrit en Côte d'Ivoire. Le nom de mon grand-père, de mon père. C'est-à-dire qu'on est inscrit, même s'ils sont pas à leur âme, là, c'est inscrit dans la Côte d'Ivoire. Makosso, toi qui te connais en Côte d'Ivoire, est-ce qu'aujourd'hui la fonction publique te connaît en Côte d'Ivoire? Tu es qui? Ce que tu vas m'adouer, là, ce sont tes illettrés de personnes. Je le dis et je le répète. Maintenant, à un moment donné de la vie, moi, je crois Tamira, je te mets au défi. Tu dis, tu as dit, écoutez, tu dis, tu portes plainte, je te mets au défi, Camille Makosso. Moi, je t'attends. Moi, je réalise la justice de Côte d'Ivoire. Eh, hey, Seigneur Jésus, Tatiana, j'ai dit que c'est ma soeur Bété, mais c'est pas ma soeur, ça va être très connu. Juste en toi, tu te permets même de garantir les gens. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre propre pays, toi, un sale étranger comme ça, toi, un Congolais, ma maman est Godier, tu connais même pas ta mère, truc. Tu connais même pas qui est ta mère réellement. Tu connais même pas qui est à moi. Tu es nous-mêmes, notre propre pays. Toi, Camille Makosso, toi, tu as venu nous garantir nous-mêmes dans notre propre pays. Nous-mêmes. J'ai fait écouter certaines personnes, certains propos. Comme tu dis, d'après toi, tu gères la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Tu gères la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Je t'ai dit une chose. Et je répète. Je réitère encore mes propos, Camille Makosso. Tu dis, tu es garçon. On est garçon. Voilà. Mais là, ce pouvoir aussi va passer. Ton problème là, tu vas régler ça avec Tatiana Kosseri. Tu dis, tu as un problème avec moi, non? Tu vas m'envoyer. C'est-à-dire, non, Joël, ça veut se dire, tu dis des insanités. Et ça là, je vais te répondre. Je vais te répondre calmement, gentiment, poliment, petit. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas forcément les réseaux sociaux. Je vais te dire que ce qui m'intéresse dans tout ça, les vues ne m'intéressent pas. T'as vu, Makosso? Les vues là, ça ne m'intéresse pas. Moi, Joël. Les vues là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse là, c'est aller au travail. Comme tu dis, tu appelles ma maison Toudi là. Même le blanc lui-même, il dort au dehors. Si moi, dans un pays où je suis venu immigrer, j'arrive même à payer un loyer de 700 euros. Camille Makosso, 700 euros, ça fait combien en Côte d'Ivoire? Ça fait un truc de 400 quelques mille, ou même 500 mille. Mais Camille Makosso, en Côte d'Ivoire là, je suis payé comme je suis payé plus qu'un fonctionnaire. Maison coûte 700 euros. Ça n'a rien à voir les charges. Et quand j'ai fini ça là, il y a mes bébés à nourrir. Comme tu penses que non, c'est bon, tu es encore, pourquoi maintenant tu es encore jeune? 430 000 en Côte d'Ivoire. Là. Mon frère, je suis dans une maison qui n'a pas de nom. Hein. Toi, tu mens aux gens que tu loues. Tu es dans l'immobilier. Tu es dans l'immobilier. Genre, j'ai donné deux maisons à ma femme, Tatiana Kosseri. Et puis elle loue maison. Camille Makosso. Et puis elle loue maison. Ah, tchè. Camille Makosso, la séduction là. La séduction là. Tu peux séduire ceux qui n'ont rien. Petit. Tu peux séduire ceux qui n'ont rien. Ceux qui n'ont jamais vu l'argent, c'est-à-dire que tu peux séduire.
Demande en Côte d'Ivoire. Essaye de te renseigner qui est ce jeune-là qui est en train de faire vidéo. Qui est ce jeune-là? L'argent ne me dit rien. Petit, ma fortune s'est levée à 650 millions de francs CFA. Demande en Côte d'Ivoire. Si tu veux, tu appelles Desta Mitton. Il va te dire qui je suis. Tu aimes trop. C'est ça qu'on appelle les nouveaux riches. Hé, Kabila Koso. C'est toi qu'on appelle les nouveaux riches. Il y a longtemps, nous, on a vécu dans l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment de la vie, quand tu regardes ta vie, il faut te dire en tant qu'un grand garçon, on est petit. Hein? On était petit à l'époque. Mais il faut te dire en tant qu'un garçon, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois aujourd'hui toi-même te lancer dans la vie. Sinon, ça veut parler de connaissances là. Même ceux qui dirigent pays là, même là, quand ils vont parler de général, le général Zézé Baroua, ici là, à Poitiers, va demander à mes tantes qui sont là-bas. Ce n'est pas, c'est-à-dire que si on veut connaître bien des grands-papas là, ou bien des parents là, à Poitiers, on avait château. Mes tantes sont là, non? Je vais à Paris peut-être bientôt, tu vas voir. Moi, j'attends ta convocation. Et il faut, mais tu veux faire, tu as un procès avec la famille Dogo ou Lorignon. Il ne faut pas me mettre dedans. Ils ne sont, ils sont pas venus me voir, ni de près, ni de loin. Je ne suis ni associé pour la cause aujourd'hui de la plainte qui a été contre toi, Kamima Koso. Je ne suis même pas associé. Comme toi, je me suis dit en tant qu'un homme, et ce que tu oublies, je le dis et je le répète, pour qui veut l'entendre, je ne suis pas ce petit va-nu-pied que certains vont venir sur les réseaux sociaux en train de prendre parler comme si rien n'était. Je vous le dis en vérité. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Mon métier me donnait à manger. Mon métier me permettait de m'épanouir. Kamima Makoso, à l'âge de 21 ans, 22 ans, j'ai commencé à travailler en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Voilà. À l'âge de 21 ans, 22 ans, j'ai commencé à travailler en Côte d'Ivoire. J'étais fonctionnaire d'État. Où on dit ça? À 21 ans, 22 ans, j'étais fonctionnaire d'État en Côte d'Ivoire. Donc, toi et moi, là, c'est le jour et la nuit. Si toi, aujourd'hui, tu ne te permets pas de, comment je peux dire l'expression, là? Si toi, tu ne te permets pas de mentir, permettant même aux jeunes filles de payer une onction, mettre même dans leur vagin, Kamima Makoso, tu vas manger quoi? Hey! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Si toi, tu ne mens pas aux jeunes petites filles, là, tes huiles d'onction là, quand tu prends là, et puis tu mets, tu dis non, prenez, mettez dans votre vagin là. Si tu ne fais pas ça là, tu vas manger quoi, Kamima Makoso? Ah! Kamima Makoso, c'est pas tout, on dit sur les réseaux sociaux. Je t'en prie, renseigne-toi auprès de mes amis, ils vont te dire qui est ce quoi, Tamira. Hein? L'argent ne m'effraie pas. Hein? L'argent ne m'effraie pas. Moi, l'argent ne me ferait pas. Non, petit. Je connais l'argent. L'argent ne me ferait pas, petit. Donc, il faut te calmer. Il faut bénir tes petites filles qui sont de mettre les commentaires à deux balles. Tes organisations de vidéos, tu prends les gens, ils vont venir. C'est-à-dire, on appelle ça la séduction. C'est ça qu'on appelle l'esprit Jezabel. C'est-à-dire, tu viens sur les réseaux sociaux. Pour venir dire aux gens que non, moi je suis comme ça, non, ma femme est décédée, encouragez-moi, faites les 20 000 partages, sinon je ne veux pas truc, c'est tout ce que vous pouvez me remettre. Moi, je ne pleure pas. Celui qui veut, il partage. Celui qui veut, il ne partage pas. Mais en toute chose, de la même manière que tu as tes hommes là-bas, j'ai mes amis ici qui aiment la vérité, que j'appelle aujourd'hui la team Choco. Celui qui estime que de ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité. Je vais répondre à tes différentes préoccupations. Bon, Anicette Kofi, moi, je ne sais pas si je suis maudit, mais je ne suis pas plus maudit que ta mère ou même ton père. Merci bien. Je vais répondre à tes petites préoccupations. Moi, je vais te répondre. Non, j'étais une fois envoyé un message. Joël, je t'aimais bien. Nya, 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 nya. Nya, 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 nya. Hein? C'est en train de se sortir ici. Makoso, ton amour là va donner ça à tes parents là-bas. Ton amour là. Va donner à ton père, depuis que ta femme est décédée là.
On n'a jamais vu ton père et ta mère dans un funérail. Cet amour-là, va donner ça à tes parents là-bas. Ton père qui est à Bobo et Fia là, ou toi tu dis tu es millionnaire là, et puis tes parents sont en train de, hein, ils sont en train de, dormir dans des coins bizarres à Soyefia là. Faut les enlever là-bas, et puis tu vas les mettre dans une bonne situation. C'est les gens que tu vas distraire. C'est les gens que tu vas distraire. Voilà pourquoi, Gédéon avait dit, il y a des gens qui prennent le funérail, ou bien peut-être la mort de leur femme, pour faire un commerce. D'accord, il n'y a pas de rang. Comme tu as parlé, on va prendre le soin. Tu finis. Moi, je viens, je te réponds. Ce que tu as dit là, c'est ici. Je vais te répondre. Voilà. C'est simple. J'aime bien répondre à l'enfant. Hein? Je le réponds bien même. Et quand il est fini là, quand il finit de répondre, comme c'est à ça que tu veux jouer, moi, ça là. On va aller ensemble dedans. Bon, on va écouter un peu Makoso. C'est à cause de Makoso. Je répands ce que j'ai dit. Mais quand est-ce que je me trompe? Les gens se déplacent là. Et les gens pleurent parce que Camille Makoso a perdu sa femme qui s'appelle Tatiana. Donc on aime Tatiana à cause de Camille Makoso, c'est ma femme. La famille paternelle, à quatre reprises, sont venus pleurer avec moi. Mais je ne vais pas les exposer pour prendre les photos, monter ça sur les réseaux sociaux. Ils n'aiment pas ça. Il y a deux familles. Il y a la famille paternelle qui sont les Cosserés. Et il y a la famille maternelle dont la maman s'appelle Dogo. C'est deux familles différentes. Celle qui est en Angleterre qui fait le communiqué à la con. Cette Agnès, c'est pas l'Ouignon quoi, là, qui fait le communiqué bête là, parce que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête là. Je l'attends au funérail. Ah oui! Ce qui est tout dans l'affaire là, c'est que c'est moi qui organise les funérailles de ma femme. On est mariés, tanti. Donc j'ai été montré qu'en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai le pouvoir. Ben oui! Bon! Ça, je ne vais pas répondre, mais pourquoi je vais répondre? Parce que Camille Makoso, cet homme là, il est un peu. Hein, il est un peu zélé, comme on dit, dans un langage. Camille Makoso dit à une personne, une Ivoirienne, quand elle va arriver en Côte d'Ivoire, lui, il gère la Côte d'Ivoire. Ah, tiens, on est tombé de... C'est quoi? Comment c'est pas... Ça va en séquencer. La communauté... Je suis de retour, je suis maintenant réveillé. Quelqu'un n'est qu'à venir s'arrêter devant moi pour parler. Des vivants de cette personne, il va savoir qu'il y a en Côte d'Ivoire. Vous avez contacté des activistes pro-Gbagbo qui sont en train d'attaquer le régime pour insulter le régime et Makoso. Mais il y a où t'as ton funérail? Où voyez la faiblesse des hommes? Quand Makoso, tu es faible. C'est-à-dire que tu as fait tout pour mettre la politique d'État. Ah! Vous avez contacté, et je le dis, je réitère mes propos. Camille Makoso, il faut savoir une seule chose.
je te le dis en bonne et due forme. La famille de Tatiana Kosseré, il n'y a pas quelqu'un qui m'a contacté ici de faire vidéo. Personne ne met parole dans ma bouche. De la même manière, tu parles. Hein? C'est de la même manière, tu parles. Personne, écoutez-moi bien, personne, tu vas envoyer ça sur le volet politique. Mais comme tu sais, peut-être avec qui tu fais, je t'ai dit, Ahmed Bakayoko, de la même que tu penses, tu connais les gens. Ahmed Bakayoko ne te connaît pas. Comme tu dis, tu es toi, tu gouvernes la Côte d'Ivoire. On est là. C'est toi, tu influes en Côte d'Ivoire. On est là. Nous, on regarde, comme on dit si bien, les pauvres là, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Le riche n'a que l'argent pour pouvoir faire certaines choses. Tu t'estimes être riche, d'accord. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir que dans cette histoire-là, la famille de Tatiana Kosseré, personne n'a envoyé. Qu'elle n'a fait laisser les cyberpro. Hein, écoutez ces propos, hein. Mais ces propos sont tellement gravissimes. Vous envoyez des cyberactivistes pro-Gbagbo. Ah, c'est arrivé là. C'est là-bas, c'est arrivé. Oh, Seigneur Jésus. Hein? Pourquoi? Hein? Mais c'est vrai, le slogan divisé pour mieux régner là. Marcos, toi, tu peux faire ça. On est là, nous, on regarde. Moi, avec les cadenas considérés là, j'étais tout. C'est toi, tu as vu te débattre toi seul. Tu dis, tu es de retour. Où tu es de retour là? C'est pas. Je vais te répondre sur certains points. Sinon là, en temps normal là, ce que tu es en train de dire ici là, ce n'est pas moi, je crois, Tamina, tu es atteint. Ce n'est pas moi, je crois, Tamina, tu es en train de piétiner. C'est la famille Dogo. C'est la famille Lor Union que tu es en train de piétiner. Ce n'est pas moi. Moi, tu me piétines en quoi? Tu ne vaux rien devant moi. Voilà, tu ne vaux rien. Même ceux dont on travaille pour eux-mêmes là, ils ne valent rien devant nous. C'est bonjour, bonsoir. C'est mon travail qui nous lie. J'ai fini de faire mon travail. Je viens, je suis chez ma maman ici. Il n'y a pas un patron qui va me dire non, pourquoi tu n'as pas fait ça? Faradada. C'est fini, je suis chez moi la maison. Tranquille. Mais il y a des propos. Vous êtes allé prendre des cibles activistes pro-Gbagbo. Wobrou. Chers frères et sœurs, vous voyez? Il veut mélanger. C'est-à-dire que tellement que tu n'as même pas. C'est lamentable. Regardez. Avec ça aujourd'hui, vous voyez un peu, un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu, parce que lui, je ne l'appelle pas un homme de Dieu. Voilà pourquoi je me lève contre le corps du Christ en Côte d'Ivoire. C'est à cause de cet imbécile-là. Je me lève contre le corps du Christ en Côte d'Ivoire. À cause de ce plouc-là, ce petit morveux-là, où certaines personnes lui ont donné peut-être la visibilité sur les réseaux sociaux, ils pensent que les trous arrivaient. Makoso, quand nous faisions vidéo-là, tu étais encore teint, tu ne faisais pas vidéo. Donc, il faut te calmer. Ça veut dire que les réseaux sociaux, réseaux là, on connaît ça avant toi. Voilà. Les vues ne nous intéressent pas. C'est le message véhiculé qui nous intéresse. Aujourd'hui, là, partout où je vais dans les pays, comme tu dis si bien, là, partout où je vais dans les pays, on ne me connaît pas à cause de toi, Makoso. On me connaît à cause de ma vérité sur les réseaux sociaux, de ma logique, de ma dignité, d'être un personnage. Faut pas mélanger politique dedans, ça n'a rien à voir. Tu as déjà essoufflé. Le match n'a même pas encore commencé. Ou je descends encore sur toi, ça n'a même pas encore commencé. Ou je descends sur toi, là. C'est-à-dire, même on finit d'enterrer bébé chou. Toi et moi, on est ensemble. Toi et moi, ce mariage-là, je t'ai dit, entre toi et moi, quelqu'un doit tomber. Moi, je t'attends ici en France. Là. En France, là, en Europe ici. Là. En Europe ici, là, moi, je t'attends. Tu comprends? Moi, je t'attends, Camille Makoso. Moi, je t'attends en Europe ici. Viens porter ta plainte. Écoutez bien. Vous êtes tellement bête. Vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas. Avant de faire quelque chose, quoi qu'à soi, il faut réfléchir. Ce qu'on est en train de faire a des conséquences. Et? Je suis ici, je regarde, je ne parle pas. Je suis tranquille. La belle famille paternelle est venue pleurer avec moi. Ma belle-mère a reçu les parents qu'elle connaît et les amis qu'elle connaît qui ont été frappés par sa douleur, qui sont allés pleurer avec elle. Voilà. Ma belle-mère ne m'a jamais aimé, ne m'aimera jamais. Elle me l'a dit. Pourquoi voulez-vous que je force
ma belle-mère, dans le deuil, vous dites, viens t'asseoir à côté de moi, on va essayer de montrer aux gens qu'on est unis. On n'est pas unis. Voilà, je me dis clairement. Voilà. Voilà, ma femme est décédée, c'est sa fille, je pleure pour elle parce que ma femme aimait sa maman. Ma responsabilité, c'est d'honorer les deux familles. Mais la famille qui veut que je les honore, je les honore. La famille qui n'a pas besoin de mon honneur. Mais ils pleurent, je pleure, et puis bah, c'est fini. Ça fait 2 mois, mes enfants sont là. Ça fait 2 mois, aucun parent de Tatiana vient voir les enfants. 2 mois. Ils disent qu'ils ont leur fille. Personne n'appelle, tous mes enfants ont téléphone. Même l'enfant de 9 ans a iPhone. Personne ne prend le téléphone pour appeler les enfants. Vous avez mangé aujourd'hui, vous avez dit, c'est quel amour que vous avez pour votre enfant? Vous aimez Tatiana? Vous êtes sûr que vous aimez Tatiana? Vous voulez qu'on vienne s'asseoir pour parler? Facebook là, c'est moi le maître. Je répète ce que je vous dis. Parce qu'il y a l'un de ses parents qui m'a dit un jour, nous là pour l'instant, on ne veut pas se répandre sur Facebook. Il fallait te répandre sur Facebook. Tu as donné une seule information de diffamation. Je t'ai fait arrêter en Côte d'Ivoire. Diffamation. Ça, c'est clair. Je ne suis pas là pour m'amuser. Le temps de l'amusement est fini. J'ai compris que dans l'affaire de ma femme, là, on veut faire des règlements de compte de début de mariage. Puisqu'on ne m'a jamais accepté, on s'est marié en bris. On dit amour des parents, amour des parents, on s'aime, chérie, on se marie. C'est ma femme qui a organisé le mariage. C'est ma femme qui a payé la première caution de notre maison. Parce qu'elle est femme de ma caution. C'est clair. On a fait 4 enfants. Je suis éternellement reconnaissant pour sa mère. Parce que dans ma prison, mes enfants étaient chez elle. Mais je n'accepterai jamais que cette famille pose des actions pour détruire l'avenir de Tatiana. Parce que Tatiana, aujourd'hui, là, elle est 4 en ses enfants. Comment vous pouvez comprendre que pendant que nous, on pleure, des gens prennent des téléphones et puis ils appellent des activistes. Makosole, il est mauvais, hein? Il est ceci, hein? Continuez les vidéos là, continuez de lui mettre la pression, mais en mettant la pression dans le faux, c'est pas moi qui vous fait du mal. Moi, je suis un ancien prisonnier, plus rien ne me touche. Mais les enfants, Asher, Paris, Kimi, Métis, ils sont en train de détruire les enfants de Tatiana. On perd les enfants de Tatiana comme des jouets. Ça fait 2 mois que personne, en dehors de la famille paternelle, il n'y a aucun membre de la famille maternelle qui appelle pour savoir comment vont les enfants. Aucun ne se déplace pour aller voir si les enfants vont. Mes enfants sont tous malades. Actuellement, même Métis a mal à l'oreille. Personne ne le sait. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui veille sur mes enfants, qui me lève. Vous avez mangé, allez, va te laver. Viens te peigner. C'est moi qui fais tout, personne. En temps normal, en selon la tradition, au moins un parent devait être plutôt à pleurer. Mais comme dans leur esprit. Mais un parent, Makoso, tu as ta mère qui est là. Ta mère est vivante. Ta mère peut venir faire ça. Comme c'est parce que tu es trop arrivé. ça m'intéresse pas même. Attendez, je cherche à parler qui m'intéresse. Ils ont déjà arrêté quelque chose. Je ne peux maintenant plus les regarder. Parce que lorsque je pleure, pendant que la maman est allée voir le corps, on fait un communiqué pour dire qu'on s'oppose à que la mère voit le corps. Mais c'est la sorcellerie. Ma femme est allée faire funérailles. 1 million, c'est moi qui lui ai donné. Ma console, là. Pourquoi? Il ne fallait pas accepter mon argent. Ma Tatiana fait quel travail? Elle travaille où? C'est moi qui lui donne tout. Tout ce que Tatiana a, c'est ma console. Parce que c'est ma femme. Tout ce que j'ai, c'est pour elle. Ma femme perd 1 million. Elle s'en fait funérailles de son oncle. C'est 2 semaines après ma femme décède. Je vous accuse de sorcellerie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le jour où ma femme décédait, elle a pointé le doigt sur le mur, devant sa nièce et devant les enfants, elle a prononcé le nom de quelqu'un. Je tais ça parce que c'est un problème familial. Mais je tais ça. Et on alimente des rumeurs. On fait des communiqués. S'il n'y avait pas de communiqué, il n'y avait pas de problème. Mais à partir du moment où il y a communiqué, où il y a un avocat qui parle, un avocat qui dit, non, si on a porté plainte, mais il faut que l'avocat soit corrigé, ils ont porté plainte contre qui? Mais Makoso, ta fille a mal à l'oreille. Tu vois une onction, non? Une que tu prends pour mettre dans, tu dis aux jeunes femmes de prendre pour mettre dans les sexes. Mais tu vois une onction, Makoso, pourquoi tu es... Merci, les gars. Il y a une onction, non? Ou bien c'est faux? Hein? Non, moi je travaille, ma femme. Toi, Makoso, tu veux qu'elle travaille? Ah, Joseph même.
Par qui même on dit Jésus même est venu, on dit le père de Jésus là même. Il était charpentier. Makoso, tu fais quel travail? Seigneur Jésus. Ah non. On dit au pays des aveux, le bon est roi. Au pays vraiment de la marmaille, Makoso est vraiment roi. Parce que c'est ceux qui refusent de voir là. Hein? Makoso les considère comme des aveugles. C'est lui qui prend tout et puis même pop. Et puis il ne sait pas qui a tapé, puis on dit, mets ça. C'est comme ça. Ah! Non, petit. Mets une dans son, mon petit. Compteur. Pour l'instant, on n'accuse personne. Mais pourquoi on ment? Je reviens à ça tout à l'heure. Les gars, laissez-moi y me vider. Donc, les parents de ma femme, là, ils ne sont pas venus chez moi. Le jour où ma femme est décédée, le lendemain, ils étaient là. Ils ne sont plus jamais revenus chez moi. C'est moi qui suis allé chez eux deux fois, ce qui est interdit par la tradition. Je suis allé la première fois prendre un groupe de trois personnes, une semaine après le décès de ma femme, pour les amener à la mort. Tu es un menteur. Moi, je suis allé voir le corps de ma femme pour la première fois et la dernière fois. Tu es un menteur. Son oncle, chef de famille, sa soeur, qui s'appelle Germaine, un autre oncle qui est médecin, parce que je sais qu'il est médecin, il venait regarder pour voir comment le corps était, pour pas le nôtre, pour m'accuser. Je le sais. Puisque déjà dans leur mentalité, le lendemain, quand ils sont venus chez moi, ils ont dit, c'est parce que nous, on a peur. Ma mère était assise. On a insulté ma mère pour la traiter de sale femme, ma maman. Makoso, qui était un ancien Makoso, arrête ça. Ma petite sa maison de 100 millions. La maman de Lolo Beauté est assise. Et puis la famille de Tatiana pointe son doigt pour dire, celle-là, c'est une sale femme. Ma mère est assise. On dit, non, c'est la tradition, tu dois tout accepter. Je me suis tué. Mais Makoso, hein, Seigneur Jésus, mais la famille là-haut, la famille Kosseré ou bien Dobo là-même, vous avez quel problème même? Vous voyez un peu, moi, elle dit toujours, moi, la partie elle ne m'intéresse pas. Il y a la partie qui m'intéresse, je lui réponds. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez comment? Non, c'est bon. Parce qu'on dit quand je parle, on dit non, vous avez pris des cyberactivistes. On dit vous avez pris des cyberactivistes pro-babo. Nous, on parle de la femme, des femmes battues. On dit, vous avez pris cyberactivisme pro-babo. Voilà ce que Makoso dit. Bon, c'est bon, allons. J'ai accepté. On m'a dit, allons voir le corps. Je suis allé voir le corps. On m'a dit, demain, tu vas nous expliquer maintenant dans quelles conditions elle est décédée. Je suis venu me mettre à genoux. J'ai expliqué tout. J'ai demandé pardon à ma belle-mère parce que son vase est cassé dans ma main. La réponse qu'on m'a donnée, je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'aimerai jamais. À partir de là, ma tête est libérée. Donc, je suis tranquille. Mon petit va faire mes celui qui va venir pleurer, il vient pleurer, mais le temps des pleurs, là, c'est fini. Non, on ne pleure plus. On attend l'autopsie, que je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et ensuite, l'enterrement. Les gens me demandent l'enterrement, c'est quand? J'ai envie de continuer, mais j'ai envie d'arrêter. Mais je vais continuer. Monsieur l'avocat, écrivez bien, quand je parle, vous êtes à un bit, prenez bien note de tout ce que je vais dire. Voilà, maintenant, détectez dans ce que j'ai dit là, les éléments d'infraction et puis allez porter plainte. Parce que vous devez avoir le courage de votre vidéo de dire contre qui vous êtes allé porter plainte à la police criminelle deux semaines après le décès. Mais c'est comme toi, est-ce que c'est pas là-bas que tu dois insister? Mais c'est pas là-bas, tu n'as pas été entendu là-bas. Bien, dans le fond. Mais ma question est bête, hein. Bon, ils t'ont convoqué la police criminelle là, c'est pourquoi? À la PG, c'est pourquoi? Allez! Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a Gédéon qui a sous-entendu que c'est... Bref, pour Gédéon a dit il y a des gens qui tuent le corps de leur femme ou la mort pour faire de la marmaille. Gédéon, tu es mon frère, d'abord humain. Makoso, c'est un plaisantin. Africain, hein? Et tu es mon frère ivoirien. Ah non, Makoso. Je te dis. Dans une douleur, il y a des choses qu'on ne dit pas. Souvent, quand on se tait, on paraît plus sage. Personne ne t'a demandé de venir présenter tes condoléances. Mais tu connais moi. Un malheur frappe tout le monde. Hier, c'était ton père spirituel qui était mon ami. Tu dis qu'on a utilisé sa mort pour te clasher. Je te présente mes excuses. Si un jour, j'ai utilisé la mort de ton père spirituel pour te clasher, moi, Camille Makoso, devant le monde entier, je te présente mes excuses. Ah. Un homme de Dieu, c'est le caractère de l'amour. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. La Bible n'a pas dit, aimez seulement vos frères. La Bible dit, même ton ennemi, il faut l'aimer. L'amour, là, il est compatissant. Il est plein de bonté. Il pardonne. Moi, je ne t'en veux pas. Ce que tu fais, c'est ton idéologie.
on est adversaire sur le plan de l'idéologie. Mais on n'est pas adversaire dans la vie. On n'est pas... Tu as une position, j'ai une position. Mais au-delà de nos positions, on est des êtres humains. Si toi et moi, nous sommes dans un avion, que l'avion tombe, que toi, tu as besoin de sang, et que tu ne peux pas parler, et que mon groupe sanguin est le même que le tien, on va te donner mon sang. Donc, au-delà de tout ça, on est des êtres humains. C'est ça qu'on doit regarder. Moi, je t'ai demandé, viens, on va se mettre sur une tatami. Un débat fafa. Tu ne pourras pas tenir parce qu'on a déjà fait le débat en 2004. Tu as reconnu. Voilà. Donc, comme tu sais ce qui s'est passé en 2004, tu ne veux pas faire notre débat parce que tu connais Makoso. Donc, tu es mon frère. Ce qui s'est passé, il n'y a rien dans. C'est un incident qui a eu lieu. Bon, peut-être que les gens t'ont taquiné avec ça. Tu t'es énervé, tu as parlé. Je laisse tout tomber. Je n'ai pas de problème avec Gédéon. Je n'aurai jamais de problème avec lui parce qu'en dépit de tout, c'est un être humain. Mon malheur amène à ce que la haine ne peut plus être dans mon cœur. Mais je veux le débat parce que je dois mettre. À Gédéon, sur le plan des bibliques. Gédéon dit, on était le retrouver dans la rue, oh, en 2004. Makoso. C'est la Sorbonne qui a organisé le débat. Makoso. Mais Gédéon dit la même façon qu'ils ont organisé le débat. On va réorganiser quand tu dis cette façon. Oh, laisse Gédéon, faut venir à moi là. Oh. C'est pas comme ça qu'on fait. Je t'attends. Mais là, moi, je dois bien regarder dans tes cheveux. Puis on dit, qu'il y a un bout dedans, Gédéon. Makoso, tu parles trop. Le journaliste n'est pas bien. J'ai dû regarder. Parce que on dit qu'il y a une fille qui est là-bas. Là. Elle parle mal. Moi, Makoso, je vais aller l'affronter. Mais ils font les émissions là. Je suis maintenant de retour. Il paraît qu'elle a pris vite. C'est ça, non? Vital. Qu'elle dit à Vital. Quand on écoute ta musique, ça donne envie de se suicider. Annie, non, il dit rien. Il dit rien de mieux. Je suis sur le plateau. Il dit rien de bon, hein. On va se délivrer. Ah oui. Demain, celui qui a raté l'émission, il a tout raté. La fille qui dit qu'elle va vite se suicider. Makoso va la délivrer demain. Kai, c'est pas le débat. Oh. Demain, ce que je n'ai pas dit, si j'ai dit ça là-bas. Mais est-ce qu'on atteint les 30 000 partages? Est-ce qu'on atteint les 30 000 partages? Est-ce qu'on atteint? On est à 24 000 partages, mes frères. Je veux atteindre les 30 000 partages. Cliquez ici. Cliquez ici. Partagez. À droite ici. Partagez. Partage. Cliquez, partagez, partagez. Je veux qu'on atteigne les 30 000 partages. L'avocat a parlé. Un avocat parle au nom d'une famille. Donc, quand un avocat parle, c'est la famille qui a parlé. Je ne vais jamais détester ma belle famille maternelle parce que dans cette belle famille, il y a plusieurs personnes qui sont en contact avec moi, qui sont à Bobo, qui m'appellent pour dire, Camille, on te soutient. Camille, il y a concert. Combien de fois Tatiana t'aimait? Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Les gens dans leur esprit, j'ai sacrifié Tatiana ou bien je l'ai tapé. Donc ils ont bloqué ça dans leur tête. Malgré que le neveu, Yam, malgré que la nièce, Persilia, qui sont les deux enfants de la grande soeur de Tatiana, sont allés dire, Camille n'a pas tapé maman d'elle. Ce que vous êtes en train de dire ici, là, ça va se retourner contre vous. Ils ont chassé les enfants. Mes enfants sont partis là-bas. Parce que moi-même, je pleure. Il n'y a plus mes enfants, je les ai amenés. On a fait asseoir mes enfants pour dire que moi je suis mauvais. Mes enfants sont revenus et disent, papa, on ne va plus chez Mimi. J'ai dit, pourquoi? On est parti là-bas, là. On dit que je suis mauvais. Et quand on a voulu parler, on dit qu'on a fait pleurer Mimi dans les cas de demander encore pardon. Imaginez que mon petit garçon arrive demain. On prend une vidéo, lui donne un bonbon, on dit, faut faire film. Tu dis, papa a tué maman. Et puis mon enfant dit, papa a tué maman. On prend la vidéo. On fait circuler la vidéo sur les réseaux sociaux. Je deviens quoi? Dites-moi ce que je deviens. Ma vie devient. Là, j'aimerais arrêter Camille Makoso. C'est un petit élément de preuve qui nous aide un peu sur cette situation. Camille Makoso dit, on prend bonbon, on donne à mon enfant. C'est-à-dire que toi-même, parce que je vous dis toujours, on a déjà tout détaillé. C'est Makoso qui est dans l'agonie, lui seul. Mais qui a fait la vidéo? Qui a fait la vidéo? Ce n'est pas la fille de Camille Makoso elle-même qui fait la vidéo pour envoyer à la fille de Lolo Beauté.
Mais comment ce vocal là se retrouve sur les réseaux sociaux? Makoso, tu n'es pas intelligent. Comment le vocal là, ça se retrouve sur les réseaux sociaux? Tu prends des enfants là, ils vont venir te poser des questions. Enijino, tu t'en prends là. Mon fils a Poutou, tu t'en prends une organisation des choses que tu as déjà organisées et des gens vont venir te poser les questions et tu te joues les dangereux. C'est pas à eux de te poser les questions. Les vraies questions pertinentes vont se poser ou quand tu seras en télécope au palais de justice. Il y a un procès, non? On attend. Maintenant, quand tu dis que tu ne frappais jamais ta femme, tout ce que tu as fait à ta femme là, on a tout ça. Ça va venir, non? Ah, on te regarde, Kabima Koso, faut parler. Moi, c'est ma partie qui m'intéresse. Pourquoi tant de méchanceté? On dit qu'on aimait Tatiana. Mais pourquoi on n'aime pas celui que Tatiana a aimé? Voici la question. Malgré que la dernière fois, il tourne ici, il tourne par là. Mais il y a à répondre à l'avocat. On va écouter un peu l'avocat. Le courrier est fermé que j'appelle le procureur. Et monsieur le procureur, on a un courrier à déposer vite. Et la procédure à suivre. Je voudrais donc remercier chacun. C'est la dernière question. Les autres questions suivent. On m'a posé une question sur Choco, quelque chose là. Voilà. Je vais faire une deuxième vidéo pour revenir sur les autres questions. Si vous avez des questions, amenez vos questions par WhatsApp. Je vais vous donner le numéro. Nous, on n'a pas peur des questions. Mmh. Même ceux qui font les vidéos, le pasteur qui porte Bart et qui là, fais une question. Alors, qui va faire question pour toi? Toi, tu es malade. Allô? Oui. Bonjour. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Makoso est de retour. Makoso n'a pas d'appel. Donc vous allez beau sauter, beau tourner, beau. Ah, il faut parler là-bas. Mais ça, comment finir le temps? Sûrement, la nuit là, les éléments de la présidence, Makoso a payé. Je le connais. Quand des gens ne t'aiment pas, ils sont prêts à tout. Et comme je les connais, ce sont des activistes pro-Barbo. Et tous sont bêtés, la plupart. Et, écoutez. Donc, comme je voyais un ado avec le ministre Amba, ça peut les tuer. Et, on est attaqué ma bosse. J'ai aimé ma femme. Ah, Makoso, ça m'a tué. Makoso. Makoso. Je suis de retour. Écoutons. La paix règne dans vos corps. Makoso, Makoso dit. Comme on est. Hey, Seigneur Jésus. Bété soupe d'affaires là, hein. Il dit ce sont les cibles activistes pro-Babo. Hein? Non. Vous allez écouter, vous allez écouter la partie, j'ai parlé. Pardon, c'est la partie que je cherchais. Il dit, nous sommes des cibles activistes pro-Babo. Oh, madame, attendez là. Nous sommes des cibles activistes pro-Babo. Babo souffre, hein? Babo Yako. Vous avez compris? Babo Yako. Babo Yako. Assoadou, tu as compris? Il dit que nous sommes les cibles activistes pro-Babo. Nous, on n'a pas caché cela. Mais dans le décès de Tatiana Kosseré, là, c'est comme dans le décès de Bouba. Là. La mère de Bouba, là, elle est musulmane. Est-ce que on peut dire dans une explication que Djoula ou même musulman est égal à RDR? Est-ce qu'un bété peut mettre sa bouche dans l'affaire de bébé qui a été tué? Voilà pourquoi j'ai dit cet homme-là, il veut utiliser l'appareil politique hein, dans l'intention de camoufler ces choses. J'aimerais dire à toute personne, soyez serein. Bouba là, petit Bouba là, où on a fait vidéo ici là, l'enfant là, il nous a pas appelé. Mais nous avons estimé que nos enfants en Côte d'Ivoire, peu importe le parti politique, peu importe ton attachement, peu importe ta religion, mais du fait que nous sommes humains, que nous aujourd'hui, le Seigneur nous a bénis, afin de pouvoir procréer, mettre des enfants au monde, demain ça peut nous arriver. Le cas de Tatiana Kosseré, j'aimerais ici dire à l'opinion publique, hein, j'aimerais dire ça à la Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'on prenne le cas de Tatiana Kosseré pour mettre ça sur le propre Babo. Si vous avez fait ça, c'est que ce n'est pas là. Non, tous ceux qui font vidéo contre Makoso,
c'est eux qui sont pro-babon. Mais quelle est cette petite bassesse d'esprit? Tu veux amadouer qui? Mais Makoso, mais attends, tu n'as pas tué Tatiana Kosseré comme tu le dis si bien. Mais il faut être serré. Makoso, tu n'as pas tué Tatiana Kosseré là-haut. Hein? Tu n'as pas tué Tatiana Kosseré là-haut. Pourquoi tu fais des, tu fais des vocaux? Non, il faut expliquer sur le spafo. Pourquoi toi tes vocaux sont partout? Pourquoi tu te débats? Tu n'as pas tenté que Tatiana Kosseré? Mais pourquoi tu t'adresses? Non, en un cas, expliquer à faire des spafons. Pourquoi? Jeune, pourquoi? Ça là encore là. C'est-à-dire dans petit truc là. C'est Gbagbo encore. C'est Gbagbo encore. Hein? Non, petit, cette fois-ci là, moi je te dis que tu vas aller très loin. Et tu vas aller très loin. Parce que ce qui ne me plaît pas là, c'est dans ça là. C'est dans ça là. C'est-à-dire que c'est dans ça là. Tu vas amadouer le pouvoir en place. Mais je te dis, même si tu veux, il faut chanter le nom de Blaise Goudé. Écoute-moi bien. Parce que je vous dis toujours, à un certain moment de la vie, quand ça tira en Côte d'Ivoire là, c'est nos poitrines en a mis là-bas. Si tu veux, il faut chanter les louanges de Blaise Goudé. Écoute-moi bien. Si tu veux, chante les louanges de Blaise Goudé. Si ce pouvoir ne t'a pas condamné pour des faits que tu as fait réellement, si ne t'ont pas condamné, si ce pouvoir-là quitte là, moi, je crois à ta mira. Du fait que tu dises, et je cite, que nous les pros, les cyber-activistes pro-Gbagbo, c'est parce qu'on est bêté, qu'on est en train de faire ça. Moi personnellement, ce problème-là, ce ricochet-là, toi et moi on gère ça. Tu te dis, tu es garçon, non? Ce ricochet-là, toi et moi on gère ça. De la même manière ici, je t'ai dit, depuis on fait vidéo, mes amis sont là. Ce n'est même pas Gbagbo Laurent qui nous envoie de faire vidéo. Nous avons estimé que, en tant que des jeunes qui aspirons aujourd'hui à la vérité, cet homme-là a été bombardé. Cet homme-là a été humilié. Il faut savoir que c'est la Côte d'Ivoire qui a été humiliée. Même si les rôles s'étaient inversés, c'est-à-dire à l'époque, peut-être que le président actuel en Côte d'Ivoire avait un cœur bon, que la situation s'était renversée, on allait dire que X est bon. Mais pour des fins politiques, puisque tu as peur aujourd'hui de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire, tu veux mettre à faire de pro-Gbagbo dedans. Tu veux mettre à faire de tata-tata dedans. Makoso, non, je ne suis pas fâché. Ce qui me plaît, je m'appelle Doua Mère. C'est-à-dire où on ne m'attend pas là. Cela là vient m'aimer pas. Tout ce que nous demandons là, c'est la justice. Tes roucasses, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Non, il ne détourne pas mon chemin. Calmez-vous, il ne détourne pas. Il ne peut pas détourner mon chemin. Je vais lui répondre sur ce truc-là. Comment a fait de détourner le chemin? Il détourne le chemin de qui? Quand tu me regardes, hein? Quand tu me regardes, lui peut détourner mon chemin. À cause de quoi? Il détourne le chemin de qui? J'ai dit, Tatiana Kosseré là, c'est une femme bêtée. Où elle s'est fait tuer par Camille Makoso? C'est par rapport aux paroles. Même le juge qui va prendre l'affaire en main là, c'est les éléments d'enquête que soit un gendarme ou un policier, c'est-à-dire la police est à partir d'un officier qui est OPJ. Chez nous-mêmes, à partir du MDL même, c'est-à-dire OPJ. À partir du MDL chef, c'est gâté. À partir d'adjudant même, on n'en parle pas. À partir de l'adjudant chef-major, c'est gâté. Donc, c'est pour te dire que, à la police, là, c'est quand tu es officier que tu peux être OPJ. Chez nous, là, on commence déjà par 2V. Quand tu as déjà ton diplôme, on dit que tu es un OPJ. Voilà. Officier de police judiciaire. Donc, quand Camille Makoso, c'est ceux-là qui vont apporter les preuves, hein, au juge. Tu auras le dossier en main. Ce n'est pas nous. Ne te mets pas dans la politique. Moi, j'attends l'apathie. J'attends l'apathie. Ah non. Mais Makoso, sérieux, sérieusement, si tu penses que tu as dompté les Ivoiriens là, il faut savoir que, autant que les Ivoiriens sont aussi là, il y a un jeune homme qu'on appelle Choco Atamira, qu'on appelle Général Babadé, pour ma franchise, pour ma loyauté, pour ma dignité, je suis resté droit de mes bottes. Je resterai droit dans mes bottes.
Donc, j'aimerais te dire, ça là, ce combat-là, parce que tu es de, c'est comme si tu tentais de salir un peu. Le seul cyberactiviste pro-Gbagbo qui parle de cette histoire, c'est moi. Le seul cyberactiviste pro-Gbagbo qui parle de cette histoire, c'est moi. Ce n'est pas parce que je suis pro-Gbagbo. La fille de Laurent Gbagbo, même le beau de Laurent Gbagbo, Stéphane Kipré qui est là, jamais il n'a enlevé 5 francs pour le combat qu'on fait pour dire « Ah, tenez, vous allez payer quand même de l'eau pour boire. » Ou bien prenez, vous allez payer peut-être votre passe ou bien votre temps. Malgré que les réseaux sociaux, si les gens n'ont pas oublié Gbagbo Laurent, c'est un nom. C'est les jeunes cyberactivistes que tu traites aujourd'hui des cyberactivistes pro-Gbagbo. Il n'y a pas de droit. C'est bon. C'est bien sûr, ça, c'est agent content. Mais ce terrain-là, toi, tu vas me voir et puis tu vas me parler sans face. C'est comme tu dis, on se croisait, Makoso. Mais tu vas me voir, tu vas me parler sans face. Tu vas me parler sans face. Parce que c'est dans ça là. C'est dans ça là. C'est dans ça là. Il n'y a même pas. Eh, Seigneur Jésus, vraiment la guerre. Eh, la guerre. Je parle et puis j'ai mal. Je parle et puis j'ai mal. Continue, comme tu dis, tu veux mes trucs, hein, et continue. Ami, monsieur, que vous me tenez. Au juge, désignez un collège d'experts qui vont regarder avant l'opération, pendant l'opération, après l'opération, est-ce que tout a été suivi? Nous avons fait cette demande. Le premier procès a eu lieu le 15 mai. Le deuxième procès aura lieu demain, vendredi 22 mai. Monsieur l'avocat, êtes-vous informé de cela? Non. Chez nous, là, comme tu as dit chez vous, on dit à qu'on n'aime pas à demander. Tu ne connais pas. Mon avocat fait une sortie pour expliquer cette procédure-là. Tu viens, tu dis non, on vous a donné une fausse information. Ce n'est pas une expertise médicale, c'est une autopsie. Il y a deux procédures. Il y a la procédure du procureur et ma procédure. Votre procédure n'est pas dedans parce que vous n'avez pas déposé une plainte au parquet. Voilà, c'est à la police que vous êtes allé déposer votre plainte. Contre Camille Makoso, dites-le. Pourquoi les gens ne veulent pas dire la vérité? Ma belle famille maternelle est allée à la police dire que j'ai tué ma femme. Et quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves? J'aurais menacé ma belle-mère en 2006 avec une arme, disant si tu ne me laisses pas marier Tatiana, je te tue. Cette famille-là. Moi, j'ai menacé leur maman. Et puis, je suis vivant. Ils ont démarré, ils m'ont dit en beauté. Moi, j'ai plus de pistolet, j'ai menacé ma belle-mère. Moi, 2 semaines pendant que je pleure ma femme, l'avocat qui parle a écrit un courrier de plainte contre Camille Makoso pour coup mortel. Il dit ici qu'on n'a pas d'éléments, qu'on n'accuse personne. Mais vous m'avez accusé. Vous avez dit que je suis d'une nature violente. Vous avez même dit que pendant que ma femme était enceinte, j'ai frappé ma femme pendant que ma femme vivait déjà chez ma belle-mère. Parce que j'étais en train de fuir. Comment me cacher pour ne pas aller en prison en 2009? Pourquoi vous faites ça? Mon avocat sort pour parler de moi, mon bataille. Puisque vis-à-vis de la clinique, c'est une bataille qui s'est engagée. Pour comprendre. On me dit même qu'est-ce que c'est pour que c'est son mari. On montre les papiers de Maïdou. Non, il faut une autre procédure judiciaire qui vient certifier que Makoso est marié et que les enfants de Tatiana sont des ayants droit. Vous n'êtes pas informé de ces choses. Et vous... Et quand on sera face à face, vous ne pourrez plus parler. Vous ne pourrez plus parler. Parce que votre avocat ne devait pas sortir pour faire ce qu'il a fait. Il est venu me traiter sur la toile d'être un menteur. Parce qu'il dit que le conseil de Makoso dit que c'est une expertise médicale. Ça n'est rien. Ça veut dire que je... Pourtant, il y a deux procédures. Le deuxième procès aura lieu demain. Puisqu'on a demandé à mon avocat de faire un écrit pour répondre aux propos de l'avocat de la clinique. Donc, c'est demain. Pour que des experts s'asseyent, pour qu'on définisse ma femme est décédée de quoi, pour que demain si on doit faire une telle opération, on puisse savoir que tel médicament, peut-être on ne le mélange pas avec tel médicament, ou une personne, on sait pour aider. C'est pas fond, hein, faut dire c'est pas fond. Vos petits-enfants sont vivants. Tatiana vous en a donné 4. Je sais que ma vidéo ne va même pas toucher votre cœur, parce que je connais déjà la gamme dans laquelle vous êtes. Mais on accepte. Mais tu les prends pour des imbéciles? L'argent de quelqu'un
qu'on accuse de meurtre. Mais, ta femme n'a pas travaillé avec toi, tu es bête, hein? C'est méchant. Mais tu es bête. Je sais que j'ai rien fait pour ma belle-mère. Je sais que j'ai rien fait pour ma famille. Ça appelle ça ma famille de ma femme. Mais vous ne pouvez pas honorer Tatiana en essayant de détruire ses enfants. Ah ouais. Vous vous imaginez, on dit Makoso, le procureur s'est dit, bon Makoso, cette affaire-là c'est un peu bizarre, on va te mettre d'abord en détention préventive, le temps de mener une enquête, etc. etc. Techniquement parlant, c'est possible. Mais je ne crois pas qu'en Côte d'Ivoire, les gens soient aussi bêtes. Soient aussi bêtes. Quelqu'un qui a opéré sa femme, qui rentre à la maison, qui décède le lendemain de la sortie de la clinique. Mais c'est que quelque chose n'a pas marché. C'est ce quelque chose-là qu'on doit comprendre. Mais pourquoi vous allez inventer et dire qu'il a tapé sa femme? Pourtant, vous n'étiez même pas là. Comme l'avocat l'a dit, on va mettre en prière. Mais une chose est sûre, je vais vous honorer. Je ne vous en veux pas, c'est votre enfant. Vous avez le droit de douter de ma bonne foi. Vous avez le droit de m'insulter. Vous avez le droit de demander aux gens de continuer de m'insulter. Pour que je n'ai plus d'activité. Pour que je devienne un misérable. Et que je n'ai plus les moyens de nourrir les quatre enfants de Tatiana. C'est un grand travail. Je vous dis merci pour ce travail. Je demande à ceux qui font les vidéos. Actuellement, je vois que vous avez baissé en vue. Reprenez. Je vais vous donner du travail. Makoso, l'enfant prodigue, est de retour. Mon dossier, moi-même, j'ai géré ça. Tatiana sera honorée. Mais on connaît votre deuxième plan. Le deuxième plan, c'est lequel? Si on n'a pas un résultat à la justice, on viendra faire par là aux funérailles. Je vous le déconseille. C'est un conseil d'un général. Et je vous déconseille. Toute la belle famille maternelle n'est pas dans ça. Je suis éternellement reconnaissant à ma belle-mère. Mais ceux qui sont autour de ma belle-mère que j'ai envoyé en Israël, donnez-lui de bons conseils. Le jour du funérail de ma femme, celui qui vient d'un esprit de l'honorer, on va l'honorer. Celui qui vient d'un esprit de détruire, d'un esprit de scandale, on va botter la personne. Je vous dis ça en même temps, pour que vous compreniez, je vous ai fait. Celui qui vient pour honorer ma femme, on va l'honorer. Déshonorer ma femme, moi, la Chine, les pasteurs, les groupes, on va botter cette personne jusqu'à ce que cette personne comprenne que Makoso, que vous avez en 2001, que vous pouvez gifler. Prendre des gens, aller attacher sa femme, la jeter dans la voiture, pour l'amener à l'église Christiane Céleste, le frapper avec tout un quartier pendant que vous le tuez. Il est mort. 2001 et 2020. Asseyez-vous et puis réfléchissez bien. L'accusation que vous avez portée là, Makosoba, elle est grave. Elle est trop grave. On peut l'interpréter comme la sorcellerie. Le bouleur. On va attendre l'autopsie. Quand l'autopsie va finir, vous allez revenir chez moi à la maison pour m'expliquer sur la base de quoi vous avez voulu détruire l'avenir de mes enfants. Je vous attends à la maison. Tranquillement. La famille paternelle, je n'ai pas de problème avec eux. Ils m'ont respecté, je ne les respecte pas. Je suis actuellement en position de guerre. Dans mon dos. J'ai dit, ça fait des mois qu'on me fait ça. Des mois, je m'en lui parler. Il y a eu deux semaines après le décès de ma femme, ils sont allés porter plainte. Quand le policier m'a appelé, on doit venir t'interroger, toi. Ils ont même cité un monsieur qu'on appelle monsieur Bosséis, qui était témoin. Le jour où j'ai menacé ma belle-mère avec une arme. Le monsieur dit, moi. On dit oui. Oh. Il est allé frapper Makoso. Makoso m'a appelé, venir demander pardon. Est-ce que vous mesurez un peu ce que moi je suis en train de vivre? Et vous me dites, faut croiser les mains, faut faire tomber. Non! On veut tuer mes enfants. On veut que mes enfants soient misérables et pauvres. Non, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut jamais accepter ça. Kanes, on dit à quel jour? Kanes, on dit à mercredi, non? On dit à jeudi. Les gars, mercredi de la semaine prochaine, je vais répondre aux autres questions. Parce qu'il y a un gars qui est... On dit, on m'a posé la question même. C'est où même? Bonsoir, son excellence, le révérend général Camille Makoso.
Vous avez déjà reconnu, c'est Abré Stéphane, le biel de Paris, le Apuchu national, le paracétamol de toutes les personnes qui ne vont pas rester sur le droit chemin. Mon général, avant tout propos, j'aimerais si vous souhaitez la bienvenue. La bienvenue parce que vous avez manqué, parce que c'est un traître. Général Kamil Makoso, j'aimerais si vous posez la question de savoir qui est Choco Atamilal. Qui est Choco Atamilal? Quel rôle a-t-il joué auprès de votre ministère? À quel moment il est rentré dans la marmaille? Bon. Vous voyez, c'est la partie avec mes frères. Je vais répondre à ça rapidement, puis partir faire mon enregistrement. Voilà. Pardon. C'est la partie à moi, ils t'attendaient. Joël. Joël. La première fois que tu es venu à notre convention, je crois que tu avais appelé Balou ou bien Karen. Joël, toi et moi, on ne se connaît pas. Attends, viens m'asseoir. C'est la partie avec mes frères. J'ai fait 5 minutes pour parler ensemble. Quand on finit un programme, je te demande est-ce que c'était fort. Ah bon? Vieux père, c'était trop dangereux. Les gens ont vu les miracles. Tu as témoigné des miracles de Jésus. Joël. Mais que ça. Je ne vais pas t'insulter. Mais tu peux m'insulter. Parce que je n'ai pas cette éducation. Joël. La Bible dit. Là, tu connais la Bible. Pour tous les actes qu'on pose sur terre, on sera jugé. Tu vas connaître deux jugements. Ah bon, vas-y. Il y a d'abord le jugement des hommes. Parce que ce que tu as dit, il faut que tu répondes devant un tribunal. Ah bon? On commence à demander à tous ceux qui te soutiennent de commencer à cotiser. Mais pourquoi tu sais le faire? J'ai appris la marmaille. Attends, tu m'as appris la marmaille. Je suis ton... Tu es... Joël, je t'ai jamais détesté. Makoso. Eh bien, écoutez, vous voyez pas un peu comment Makoso... Attends. Vous voyez pas comment un peu Makoso est un peu bête? Makoso, avec quelqu'un, d'après toi-même, vous voyez un peu... Oh non, français là, c'est chic, hein? Quelqu'un qui dit, écoutez-moi bien, Joël, je n'ai jamais causé avec toi 5 minutes. Mais si tu n'as jamais causé avec quelqu'un 5 minutes, comment se fait-il que tu leur apprends ce qu'on appelle la mamaille? Hein? Tu n'as jamais causé avec quelqu'un 5 minutes. Et puis là, tu me dis, non, tu m'as appris ce qu'on appelle la mamaille. Oh non, ma petite, Prisca, dis à ton Makoso là que moi là, je l'attends. C'est la partie qui m'intéresse. Écoutez encore, hein, il va encore mentir. Ouais, c'est comme ça, Makoso, je te connais, on se connaît. Je suis la seule personne, avec peut-être ce petit au départ qui ne comprenait pas. Ou moi, je lui ai dit, Balou est témoin. Il dit Balou, Makoso là, c'est pas un homme de Dieu. Makoso là, c'est pas un homme de Dieu. Mais comme je suis venu pour mon Dieu, j'ai géré mon Dieu et puis je m'en vais. Mais quand même, Makoso, tu peux dire quand même à tes fidèles là que parmi tous tes fidèles moutons qui te suivaient là, comme tu aimes l'argent, là, pourquoi moi tu payais mes services, sachant pertinemment que tu dis d'après toi-même, je suis ton fils. Mais commençons à finir là-haut. Les gens prennent les clics, les claques, tes enfants là. Est-ce que tu peux être transformé de quelqu'un? Mais moi, je viens. Mon hôtel est payé. En Italie, je dormais dans un hôtel pas possible. Et en France, quand je vais pour tes conventions, tu payes mon transport. Quand j'ai fini, tu donnes mon argent et puis je m'en vais. C'est pour te dire que de loin, ni de près, je n'ai jamais été associé à tes bêtises. Ce qui m'intéressait là, et ce qui m'intéresse là, c'est mon jeton qui m'intéresse. Ce que tu es en train de raconter là, Joël, toi-même, mon nom même tu ne connais pas. Si ce n'est pas moi, il dit Joël, moi là, tu ne connais pas. Sinon, tu me connais en tant que, quand on dit Babadé. La première fois que tu es venu là, comme tu as si bien dit là, ta femme a dit quoi? Mais Makoso, pourquoi tu dis que tu n'as jamais causé à moi 5 minutes même? Tu es un menteur, hein, petit. Mais pourquoi tu ne dis pas la vérité même? Quand on veut faire des trucs de marmaille là, où tu as envoyé ta ceinture là, tu m'as pas expliqué comment on doit dérouler la chose? Mais pour un homme de Dieu, est-ce qu'un homme de Dieu qui dit la l'onction, est-ce qu'il doit demander comment on doit faire quelque chose? Makoso, faut arrêter. Il t'a bien dit, c'est les gens, tu peux berner. Mais je t'attends. Moi, tout ça là. Hein?
Oh, toi, Lionel, là, va chier. Oh. Est-ce qu'on a besoin de toi ici? Makoso, moi, je t'attends. Tu dis, Joël, tout ce que tu as dit là, faut t'apprêter à répondre dans un tribunal. Que dis aux gens qui te suivent que non. Mais Makoso, il y a longtemps, tu as dit ça. Plainte là. Dis à tes enfants. Dis à Gina. Avant, j'habitais en Belgique. Je ne suis plus là-bas. Je suis maintenant en Hollande. Dis à Gina, elle n'a qu'à venir porter plainte. Par exemple, tes filles bêtes, bêtes là. Hein? Dis à l'autre là, comment elle s'appelle là? Awa. Awa qui est à Liège là, bête là. Dis-lui aussi, elle n'a qu'à aller porter plainte. Moi, je vous attends. Je vous attends. Et encore, si tu veux, quand j'arrive à Paris, parce que d'ici fin du mois, par la grâce de Dieu, ouverture des frontières, je serai à Paris. Dis encore à Patricia Dreux, la Camerounaise peut-être qui rêve que toi tu viens rentrer dans ses jambes-là. Quand tu as parlé à faire des mariages, j'ai fait 21 demandes en mariage. C'est de Patricia Dreux, tu voulais parler là, Patricia Dreux là. Et comment s'appelle Dreux, quelque chose là. Quelque chose Dreux là. Comment s'appelle, j'ai oublié son nom là. J'ai oublié son nom. C'est d'elle que tu veux parler. Comme non, je viens. Joël. Hein? Écoutez un peu la bassesse de l'esprit de l'être humain, regardez. Et puis d'abord, tu es un menteur. Écoutez bien. Je vais répondre à Makoso. La seule chose qui fait qu'on s'est séparé, écoutez la partie là. Je couchais avec Patricia du Suisse. Mm-hmm. Elle était mariée à un blanc. Et son mari blanc me faisait toujours pas là pour dire je ne veux pas que ma femme vienne à tes conventions. Et quand. Makoso, tu es un menteur. Tu es un menteur. Ouais, c'est Luis Dreux, merci bien. Makoso, tu es un menteur. Pourquoi je dis tu es un menteur? Vous avez un problème. Et tes enfants et toi là. Ce que tu as envoyé là, Léa Poutou, il a attrapé une main sur le pif, Dieu merci. Ce qu'on appelle la petite Aya Roubette là. Dieu merci, je l'ai attrapé sur le pif. La femme a témoigné ici. Mais Makoso, même si c'est avéré, je dis bien, je parle selon le droit, même si c'est avéré, que Patricia, comme tu dis si bien, tu dis son nom, Patricia qui est en Suisse, peut-être était ma copine, d'après toi-même et selon toi-même, selon tes dires. Si cette fille était ma copine, qu'elle a laissé son mari blanc pour venir derrière moi, c'est qu'il y a un problème. Ah! Kamina Koso, c'est qu'il y a un problème. Est-ce où tu mens encore? Cette femme-là, son mari ne te connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Moi, je te dis, cette femme-là, ici, là, j'ai mis ici, en direct, tu voulais envoyer Aya Robert dans l'intention de faire un mensonge. J'étais obligé d'appeler la fille en direct. Elle a témoigné ici. J'étais obligé de venir mentir. Hein? J'étais obligé de venir mentir. Mais toi, tu es un homme de Dieu. D'après toi-même. Selon toi-même. Parce que tu dis que toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu dis que quelqu'un n'a qu'à prendre huile. Toi-même, est-ce que c'est faux? Non, c'est. Quelqu'un n'a qu'à prendre huile pour mettre dans son truc là-bas. Elle n'a qu'à tourner là-bas. Elle va tout. Tu n'as pas dit ça? La vidéo fait le tour. Cette partie-là, tu dévis. Mais je te dis que, Makoso, tu vas nous sentir. Écoutez bien. Écoutez les phrases de Makoso. C'est la même chose qu'il a donné aux enfants. Là, là Poutou là, se lève. Les petits qui ressemblent à artistes de manioc qui est en Côte d'Ivoire. Là, il se lève. Il fait vidéo. Il fait tant. Aya Robert voulait faire tant. J'ai maîtrisé ça rapidement. L'autre côté voulait faire tant. La femme l'a appelé à Abidjan là-bas. Il dit, ah, excusez-moi, j'ai coupé ma vidéo, madame. Pardon, madame. Il s'est arrêté. Si Petit Sénic Ramba ne fait plus vidéo là, il va vous donner le problème, il va vous dire pourquoi. Je ne parle pas beaucoup, Makoso, mais j'étais ici. Le pays qui m'a vu ici là, je t'ai dit et je le répète. J'ai des enfants européens. J'ai ma mère qui est européenne. J'ai des frères qui sont européens. Mais cela ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je suis un réfugié politique. Ce que tu ne sais pas là, je te dis. Je suis un réfugié politique. C'est-à-dire que pour acquérir même ma nationalité, sur base même de données, je peux l'avoir rapidement. Mais je me protège d'abord. Je suis un réfugié politique. Ça seulement, je dois te dire la vérité. Et qu'est-ce que je fais? Je ne parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux.
Je suis rentré en 2-4-6-3 bidets, j'ai envoyé mon passeport. Écoute-moi ce que j'ai fait. J'ai envoyé mon passeport en France, la copie de mon passeport. Je sais écrire. Et puis j'écris bien. J'ai lancé ma procédure. Demandez à votre petit pingouin tige de manioc en Côte d'Ivoire. Qui l'a appelé? Le service même, cybercriminel. Parce que ton petit pingouin là aurait utilisé le logo de la police française pour dire que Babade est recherché, le général Babade est recherché. Que c'était la police française qui mettait complètement une somme de 1500 euros pour pouvoir me retrouver. Moi, je n'ai pas parlé beaucoup. C'est parce que tu me vois comme ça, là, tu penses que je ne connais pas vice de procédure. Moi, je ne parle pas beaucoup. J'ai fait comme ça. J'ai envoyé tac. Est-il possible que je puisse tant. Monsieur, c'est possible. C'est dans ce terrain-là. C'est dans ce terrain-là. C'est Nikramba là. Il sait qui l'a appelé. Ce n'est même pas un ministre même. Il s'est vu, c'est la côte. Il sait qui l'a appelé. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Ici là, je ne fais pas du mal à quelqu'un. Je ne fais rien à quelqu'un. Mais celui qui bande comme Tamar Robert, il n'a qu'à venir. Ah, Makoso, moi je t'attends. Devant un tribunal, je t'attends. Je suis dans un pays, il n'y a pas d'avocat. Mon avocat, c'est Dieu, j'ai dit. Même quand je n'ai pas fait mon audition, il a dit, hé, mais comment quelqu'un qui a vécu une crise, je n'ai pas besoin d'avocat. Je suis allé, d'autres ils prennent avocat. Non, je vais avoir papier. Je ne suis pas l'avocat, Karim Makoso. Je suis allé moi-même. J'ai vécu des scènes. J'ai fait mes yeux. Je peux te raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Là où ça a commencé. Aujourd'hui, si on est ici, là. J'ai fait mes yeux, puis je peux parler de ça. C'est un fait que j'ai vécu. Ce n'est pas quelqu'un qui me raconte. Non. Il y a ce qu'on raconte et puis il y a ce qu'on vit. Moi, sur ce côté-là, il faut te calmer. Procédure, là, je sais faire. Je n'ai pas peur de policiers. Je n'ai pas peur de policiers en France ici. Je n'ai pas peur de policiers en Europe ici. Jamais. Je marche toujours. Voilà pourquoi. Travail, maison. Je vais aller voir mes amis à Paris. Je vais à Paris. Je viens. Je m'assois doucement. Et puis je regarde. Tranquille. Amis là, je n'ai pas. Pour ne pas dire que. Moi, a dit, toi, a dit, j'ai telle personne, il a vendu tant, il a trouvé telle trace. Je n'ai pas. Mes amis, là, ce sont mes enfants, mes deux petits frères, qui sont dans le corps médical. Voilà, ce sont eux qui sont mes amis. C'est tout. Amis, là, je n'ai pas, oh, Camille Makoso. Si quoi tu m'as attrapé, d'après toi, ces femmes, que j'ai envoyé SMS à Chekoua Tamira, qu'il a répondu, je suis le fils de Camille Makoso. Tu as les preuves. Quand tu as les preuves, là, tu montres. Toi, Makoso, que je connais là. Hein? Toi, Makoso, que moi je connais là. Aujourd'hui, je montre que je ne montre plus preuve. Wow! Après, c'est la femme là. Son mari m'a appelé. Écoute-toi, Makoso. Je découvre qu'elle venait à cause de toi. Pour vivre dans la dureté, je ne pouvais pas l'accepter. Première raison. Mm-hmm. Deuxième raison. C'est l'accusation portée par le pasteur de cette fille qui dit que tu as violé sa fidèle. Camille Makoso dit, tu es venu en Belgique. Mais tu as dit que tu es venu en Belgique, Camille Makoso. Camille Makoso, si la femme de X vient derrière moi, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être ici un gars, il y a trois moteurs. C'est que si un capitaine a quatre moteurs, faut pas dire ce que tu ne sais pas. Hein? Faut pas dire ce que tu ne sais pas. Mon ami pasteur, Camille Makoso, même si on dit, ton ami pasteur n'a pas de nom. C'est comme moi, je me lève ici. Et puis, Makoso, tu te rappelles de la petite fille. Je vais dire son nom. La petite fille au Cameroun que tu baises là. Tu te rappelles d'elle? La petite fille au Cameroun, là, tu te rappelles de ce que tu as envoyé en Côte d'Ivoire dans une résidence là, tu te rappelles d'elle? Comment je sais? Je causais avec elle à l'époque. Ça peut te dire que il y a des choses que je sais et puis ça, si je te regarde.
La fille d'un pasteur, la fidèle d'un mon ami pasteur, hein, on dit que tu as violé. Toi, Makoso, tu as vu? Écoutez bien, on dit tu as violé. On dit, un pasteur qui parle à peine, il dit, on dit, c'est lui la brebis, il va le suivre. C'est ça là. Écoutez Makoso, hein, écoutez les phrases de Makoso. Tellement il ment. Makoso, tu ne pourras pas me salir aujourd'hui, demain, après demain. Mais si ces filles là-haut, d'après toi-même, Makoso, si je les ai, écoute, excuse-moi mon terme, mais si je les ai mougou là-haut, c'est qu'elles ont voulu, tu as une fois vu une fille, une femme qu'on viole, vous voyez d'où est sortie, chers frères et sœurs, vous voyez d'où est sortie toutes ces manipulations-là, où on dit, je crois, Tamira a violé, c'est Camille Makoso, parce que Camille Makoso ne pouvait pas parler à l'époque, ou bien peut-être ce truc, il a envoyé ses filles-là, Gina qui est en Belgique, l'autre qui est en Belgique, qui est à Liège, il les a envoyés de venir. Voilà, lui-même, ça sort de sa propre bouche. Mon ami pasteur m'a dit que tu as violé son fidèle, Camille Makoso. Camille Makoso. N'est-il pas toi, Camille Makoso, tu racontes à tes enfants, tes petits chiens de garde, c'est-à-dire les vomis de Camille Makoso. C'est pas cela, tu envoies sur les réseaux sociaux, de dire, moi, je crois à Tamira, je suis impuissant. Quelqu'un qui est impuissant, il viole. Et comme si ça ne s'arrêtait pas là. Je suis sorti à Patricia. Je suis sorti avec une fille que ton ami pasteur, tu ne dis pas son nom. Tu ne dis pas son nom. Parce que si un ami pasteur vient dire un problème, il va relater le nom de la personne. Ou bien, tu as ce personnage-là. On prend sur le pif, c'est-à-dire paf. Hein? Et l'autre, il a dit comme ça. C'est pas émotion. Seigneur Jésus. Non, apprêtez-vous. Hein? Mardi, c'est impuissant. Quoi? Et puis on dit, il viole. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui est impuissant, il viole. Vous voyez un peu comment... Je vous ai dit, toute cette conspiration-là, au départ, je vous ai dit, je sais de qui ça provient. Ça provient de Camille Makoso, c'est nulle part ailleurs. Ça provient de Camille Makoso. Tout ce qu'il a été fait là, ça provient de Camille Makoso. Les enfants, ils disent, oh, ceux-là, laissez-les. Les filles qui vont hein, dans les directs. Mais Makoso, maintenant tu n'as pas tué Tata Koso. Il faut être serré. Pourquoi porter des accusations? Parce que je t'attendais. Celle-là, je t'attendais. Pourquoi porter des accusations dont tu ne sais même pas, d'après toi et selon toi, si la souche de tes dires, tu as chassé Patricia, pour quel motif? Je vais m'expliquer. Le motif où tu chasses Patricia, c'est que tu dis là en Suisse, je ne connais même pas son nom de famille, waouh, ben ce truc. Patricia, tu dis là en Suisse, là, que tu as chassé là. Pourquoi? Parce que tu devais faire une convention en Suisse. Et cette fille-là a mis elle-même de sa propre poche les moyens adéquats pour pouvoir faire hein, la convention. Mais tu avais dit ici un jour, où je me rappelle, mais Patricia, vous serez subventionnée par Karen, qui va vous donner un petit coup de pouce. Bon, comme tu aimes ta filiée, Louise Dreux, c'est une femme qui vivait avec un gars qui était tellement riche, son ancien mari là, Makoso, est là où il y a le profit. Mais la jeune fille s'est levée, elle estimait que, mais j'ai trop dépensé Camille Makoso, j'ai besoin de ton aide. Tu n'as pas accepté ça. Tu as chassé la femme. Ce n'est pas à cause de convention, Camille Makoso. Il ne faut pas mentir. Est-ce que, quand tu as chassé la fille, est-ce que moi, tu m'as chassé? Est-ce que moi, tu m'as chassé? Et je te rappelle encore, si tu ne sais pas, j'étais à Champigny. Après celui de Champigny, là, c'est là que tu as chassé la fille. Est-ce que moi, je ne suis pas allé en Italie avec toi? Est-ce que je n'ai pas fait Bruxelles avec toi? Tu dis aux gens, d'après toi, tu m'as chassé. Camille Makoso, tu ne m'as jamais chassé. Il faut avoir le culot de dire à tes amis, tu ne m'as jamais chassé. On va l'écouter. Fidèle. Et que s'il te voit auprès de moi, il ne pourrait pas accepter. Écoutez, hein. Plusieurs autres femmes ont récité les mêmes choses. Ils nous font des promesses de mariage. Joël. Makoso dit plusieurs d'autres femmes. Mais Makoso, c'est que c'est dans ton coin, elle était mignon, hein. Makoso qui parle la preuve comme ça aujourd'hui.
Seigneur Jésus. Mais c'est là-bas il est arrivé. Mais attends, je suis ébahi. Il dit, Joël a promis plusieurs mariages à ses filles-là. Mais Makoso, tu ne connais plus le nom de tes filles aujourd'hui, mais c'est normal. C'est toi-même le mal que ta propre petite-fille, ta fille, Kimi ou bien l'autre là, Paris a mal au pied. Toi, Makoso, tu ne connais pas. Elle a mal au pied, ça fait combien de temps? C'est pas enfant des gens, tu vas venir maîtriser pour dire n'importe quoi. Tu cherches à te faire plaire pour quoi? Ah, tout ça, ça coûte des vues, Makoso. Ah, non, Makoso, il y a un problème. Écoutez-le encore. Joël, oui, faut parler. Moi-même, j'ai terminé un message. Mm-hmm. En disant quoi? Et tu as pensé que c'était une femme. Ah. WhatsApp. Écoutez. Et tu as commencé à dire, on peut se voir quand, tout et tout, je suis aussi un fils du général. Tu ne peux pas vivre cette vie dans ce grenier dans lequel tu es. Makoso, tu es un menteur. Makoso, tu es un menteur. Makoso dit, d'après lui-même, il m'a envoyé un message sur mon WhatsApp. Mais mon WhatsApp là-haut, tout le monde connaît. Hein? Et mon WhatsApp, sur toi-même, avec ton numéro de Belgique, Camille Makoso, si tu m'as envoyé un WhatsApp, un numéro là, tu vas montrer aux Ivoiriens, de la même manière que moi je vais te montrer ici, pourquoi tu appelles Candem, sachant pertinemment que tu es serré. Pourquoi tu appelles Candem de venir te défendre dans un dossier dont tu n'as pas tué ta femme? J'envoie preuve de ça. Camille Makoso, si ce jour-là tu m'avais envoyé un message d'après toi-même, Joël, dans le petit tourdi que Joël vit ici là, ça peut payer ta maison que tu loues dedans. Tu n'es même pas propriétaire de maison. Tu te dis millionnaire. tu n'es pas propriétaire de maison. Deux, tu es dans location de maison. L'une des résidences de complément de la Djoumani. Je te dis bien, écoute-moi bien, Camille Makoso. Ce que tu peux tromper là, c'est tes plaisantins de trucs là. Hein? Ce que tu peux tromper là, c'est ceux-là qui sont là-bas. Ce n'est pas moi. Je te dis que ma maison, je dois ici là. 700 euros. C'est un petit tout dit. Mais il faut voir la situation géographique. Chez nous, ici, on dit il y a des flats. Tu ne connais pas peut-être des studios qui sont tellement chers, Camille Makoso. Je dors dans un petit toudi. Toi, tu dors dans... Tu es un millionnaire, tu es un milliardaire, mais tu loues maison. Camille Makoso, ici, là, ce n'est pas chez moi. Ici, ce n'est pas chez moi. Là-bas, ce n'est pas... Ici, là, ce n'est pas chez moi. Même ici, en Europe, ici, ceux-mêmes, écoute-moi bien, Camille Makoso, ceux-mêmes dans leur pays, là, ils dorment dans les rues. Mais si moi, le Seigneur m'a béni et lui a demandé à Makoso où sont les messages, parce qu'il est trop facile de dire, Makoso, ce qui me fait mal, non, la femme, elle est vraiment morte, vraiment. Non, j'ai payé deux maisons, complètement, pour ma femme. On paie deux maisons pour une femme, réveillez-vous, hein. Les enfants de Makoso, là, réveillez-vous. On paie une maison pour femme. J'ai payé deux maisons pour ma femme. Et puis sa femme est dans location. Elle a loué sa maison pendant 3 ans, elle-même. Grâce à ses affaires personnelles. Elle a loué une maison 3 ans. Dont le bail appartient à Tatiana Kosere Okei. Aïe. Hein? Makoso, toi, tu ne peux pas me donner un conseil. Ce que tu vas donner un conseil, là, c'est des petites filles bornées qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont peut-être qui sont aveuglées. Mais c'est vrai. Non, mais ils louent maison comme nous. Nous, on était à Bigana. C'est l'État qui paye maison. On va se reposer là où nos papas, quand on va au village, on dort chez nous. On ne dort pas chez les gens. On va encore dans les villes où le père a construit, qu'on ne dira, je ne dirai pas. On va même dans les trucs. On va même à Bédé Tapia chez nos grands-papas. On dort dans le château. Camille Makoso, si tu ne connais pas, il faut demander. Va un jour à Daloa. Il faut dire, je vais voir à Bédé Tapia. Village de mon grand-papa là. Il faut demander. Château, il a déposé là-bas. On est parti. Une fois là-bas. Tous les poignets, c'est en or. C'est pour dire que je vais te dire que
si on veut parler des parents là, nous on ne peut pas crécher en Côte d'Ivoire. Mais tu loues maison comme nous. Non, tu donnes dans tout dit. Je donne dans tout dit pignon. Si tout dit est propre, ça me vend. Quand même, à cause ça me plaît. Je n'envie personne. Je ne suis pas en Europe pour envier quelqu'un. Dieu merci, moi j'ai un chez moi. Il y a des gens à Paris là. Ils n'ont pas un chez eux. Moi j'ai un chez moi. Ça porte mon nom. J'ai mon contrat de bail. C'est là. Henri Choco, tu dors dans tout dit. Et il dit Seigneur, je bénis le nom du Seigneur. Oh Seigneur. Ah bon, je dors dans tout dit. Seigneur Jésus. Je dors dans tout dit, mais je bénis le nom du Seigneur. Je ne dors pas dehors. Nous-mêmes ici, là, nous tous les bendis, là. Ceux que tu viens ici pour enculer, là. Ceux que tu viens ici pour mentir, là. C'est eux qui laissent tout dire, là. Chez nous, ici, en Europe, on dit, c'est le soir où j'ai venu mettre ma tête pour me reposer, c'est ça qui est important. Parce que je cours matin pour aller travailler. Moi, au moins, j'ai un chez moi. Voilà, mais je n'ai pas besoin de te dire. Maison, je dormais dedans ici, là, en volant, où j'ai regardé ici, là. 1200 par mois. Makoso, 1200 par mois, la maison de dormir, c'est la mère de mon enfant. 1200 par mois. Mais je ne suis plus avec la maman de mon enfant. Mais, monsieur Camille, je vais rester dans une maison pour faire malin, pour payer 1200 par mois. Mais c'est normal qu'il vienne dans un petit coin où, on coûte, où ça coûte 700. Et puis, il est venu vivre ici un peu. Demande à mes amis à l'époque, il faut regarder mes anciennes vidéos là. Tu vas voir le cadre, c'est différent d'ici. Je dors dans. Bon, Bakoso, moi, je dors dans tout dit. Pignon! Voilà. Et puis quoi? Hein? Et puis quoi? Même Blanc et Chocho, là, ils dorment dehors. Bakoso, je crois à Tamira. Je le dis, je le répète et je me répète. Je dors dans tout dit. Pignon! Voilà. Quand je veux peut-être aller, peut-être. Quand j'ai des amis ici, là. Je reçois mes amis chez moi à la maison. Ah, mais ton cadre est beau. Il est propre. Chez nous ici, là. Maison ne nous intéresse pas. C'est la propriété de ta maison qui nous intéresse. Ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous. Hein? Non, ça là, je ne vais pas te le permettre. Ta convocation là. Moi, j'attends ta convocation. Voilà. Je dors dans tout dit là. J'attends. Non, tout dit même, oui, tout dit, mais c'est son problème là-bas. Tout dit là. Je dors dans tout dit là. Tout dit là. Ce n'est pas grave. Ça fait quoi? Elle se donne dehors. Voilà, j'ai canapé. Tranquille, j'ai mon frigo là. J'ai mon frigo dans la cuisine. J'ai un frigo au salon. J'ai un frigo dans la chambre. J'ai ma télévision. Camille, ma console, j'ai besoin de qui? Il y a mes frères qui dorment quand tu vas à Paris là. Il y a mes frères qui dorment ici quand tu arrives à Paris ici là. Ici là. Château, Port de la Chapelle. Il y a nos frères, même ivoiriens dedans, qui ne savent même pas où dormir. Mais si le Seigneur me bénit que j'ai un chez moi, c'est déjà bon. Moi, j'ai un chez moi. Tu es en train d'inventer par ta faiblesse. Je savais que tu allais revenir ici. Je savais. Moi, j'ai dit que tout ce que tu faisais là, c'est parce que j'ai mis pas. Ça te plaît pas. Voilà pourquoi tu... Seigneur Jésus, oh. Makoso, c'est parce que j'ai mis pas. Toi-même, tu connais qu'il y a un problème dedans. Voilà pourquoi tu dis, le petit là, si il ne fait pas ça là. Mais tes propos aussi là, je vais garder. Je vais garder. Parce que dès que tu lances la procédure, je donne la partie de mon avocate. Hein? Parce qu'à cause de toi, je prends l'avocat aussi. Et je t'attends. Dès que tu donnes plainte à ta plainte, là, je prends l'avocat. Et tu vas me dire, quelle fille qui t'a dit que moi, je l'ai violée. Tu vas me dire ça. Tu vas répondre de tes actes. Parce que quand on parle à épreuve. Moi, j'ai parlé à toi, j'ai parlé à épreuve. En ma qualité de gendarme, je vais parler à épreuve. Moi, je te dis, je vais parler à épreuve. Merci bien, je ne faisais que rendre un jeune service à tes filles qui sont vraiment en manque de garçons. Je ne faisais que les rendre service au cas où, si ça s'est passé réellement. Parce qu'une fille, une femme reconnaît toujours celui avec qui elle a fait l'amour. Une femme reconnaît toujours son violeur, Camille Makoso. Dirais-je, dans un bon français, elles vont me reconnaître. Si une femme n'a jamais couché avec un garçon, elle va dire que je n'ai jamais couché avec lui. Tu ne peux pas me permettre.
Non, Joël, tu as promis mariage à toutes mes filles. C'est rentré, c'est sorti sur moi-même. Quand tu me regardes, je le sais à quelqu'un qui promet mariage. Je sais avec qui je promets mariage. Pour l'instant, là, je n'ai même pas promis qu'on compte mariage à une femme de ma vie. Non, il faut te calmer d'abord. La vie, là, on ne va pas boubou, non. La vie, c'est une étape. On va pas à pas. La rencontre, on vit la relation. On vit la relation. Après la relation, il y a un petit truc qui nous plaît peut-être chez la dame et puis peut-être un peu. Tu es un menteur. Non, tu es Makoso, tu es un menteur. Moi aussi, je t'attends. Tu arrives là. Moi, j'ai fait, je dis, mec, je vais te montrer, non. Il faut prendre un bon avocat. Moi, mais je te dis. Parce que si tu veux prendre ce plaisantin de Dogo, ben tout ça, il faut prendre un bon avocat. Paye-toi les moyens de prendre un blanc. Je te donne le secret. Parce que dans mon pays, j'ai un papa français. C'est ce que je vais découvrir là. Faut demander à tes filles qui sont ici là. C'est ton nom, dans mon pays, un papa français. C'est ce que j'ai découvert ici là. Je ne te donne pas le secret. Mais pour viol, pour le propos de viol, dont tu dis à ton ami pasteur, ce pasteur, tu as me découvert ça. J'ai appelé ça en direct, j'ai fait un direct ici une fois ici. J'ai appelé. Le gars a dit, je n'ai jamais dit ça. Ici, il a dit. Parce que le pasteur, tu parles de lui là, je le connais bien. Est-ce qu'il t'a rendu ça? Quand ça a chauffé là, quand il a chauffé la mamite là, pour l'instant c'est toi qui truc. Moi, il t'attend. Moi, il a fini de me brûler dans tes oreilles. Tu es paniqué, tu sors. On te parle de chocolat, t'as mis là. Des vidéos déjà, que tu as déjà, hein, tu as déjà bossé ça. Pour venir avoir yeux. Partager. Je vais attendre. Hein? Je vais dire que je suis le maître des réseaux sociaux. C'est si la famille là, tu as fait ça, et c'est sûr, sûr. Mais nous là, moi personnellement, on m'a connu ici là, à cause du président Laurent Gbagbo. Excusez-nous, hein, pour ceux qui sont en Afrique, souffrent que nous sommes dans le... Hein, nous sommes en Haïti. Non, c'est pas facile. Voilà. Mais qu'on soit... Moi, en tout cas... Tu veux parler de l'argent. Toi, tu as l'argent. Et puis, on ne sait pas si toi. Tu veux parler de l'argent. Tu veux parler de l'argent, Makoso. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Mais ils vont me mettre devant toi, à côté de toi. Je suis beau que toi. Je suis, je ne sais pas, en tout, je te drape. C'est ton argent, tu as fait quoi? Même ton argent que tu as donné, on va sur une go. Tu vas lui donner l'argent. Quand tu as fini de la grêle, elle va venir te tromper avec moi encore. Non, ne sois pas découragé. Makoso, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. On est sur le même terrain. La petite Gola. La petite Gola. La petite Gola. Toi, tu as lui donner ton argent. Et tu comprends? Quand tu as fini de donner ton argent, là, elle dit, hey, chérie, oh, toi, tu as fini de faire tes roucascasses. Mais là, quand tu as fini de donner, c'est à moi, Benny, elle m'a dit, tiens ton gué. Et puis, moi, repas. Et même, passe. Tu es un plaisantin de haut niveau. Ta séduction, là, tu sais ce que tu fais. C'est si tu es fidèle à deux balles. Là. Tout ce que tu as pris dans ta vidéo, Enus Unon, c'est une fille qui cherche code de popularité. Moi, je ne cherche rien. Les Ivoiriens, là. Même si je ne me connaissais pas, mes amis que j'ai fréquentés, ils me connaissaient déjà. Le corps dont j'ai appartenu, hein, la gendarmerie, c'était étendu sur le territoire, sur l'ensemble du territoire. De par mon nom, on sait qui je suis. J'ai dit, de par mon nom, on sait qui je suis. Je ne dirai même pas le nom de mon père même d'abord. Les premiers commandos, écoute-moi bien. Les premiers commandos gendarmes en Côte d'Ivoire, ceux qui ont été formés au Togo, plus précisément à Kara. Mon père, il fut l'un des premiers tireurs d'élite en Côte d'Ivoire. Il faut demande en 89 ou en 88 ou en 87, prise d'otage au plateau. Pour ceux qui se rappellent, ils vont te dire que c'est le papa du jeune que tu vois sur les réseaux sociaux. Attends, c'est quoi même? C'est quoi? Ou même c'est Facebook qui vous blague? Ou même c'est si Facebook, vous voulez qu'on parle des parents, mais c'est quoi? Quand même, tu n'es rien en Côte d'Ivoire.
Toi, tu es qui encore? Tu veux plus venir me menacer? Hé, hey, Seigneur Jésus, ce n'est pas mon parent. Toi, tu es sûr que moi, bébé chou, c'était ma petite soeur. Parce que c'est ma petite son âge. Bébé chou, c'était ma petite soeur. Toi, Camille Makoso. Toi. Aïe. Hein? Non, maman. Martine, il faut le laisser. C'est lui qui est en train de dire que non, moi, Makoso, je n'ai jamais frappé sa femme. Je vous ai dit au moment opportun. Habit de sa femme qui l'a déchiré. Il a dit, Makoso, je n'ai pas encore fini de faire son apocalypse. Je suis dans Timothée d'abord. Je suis dans Timothée. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es un mécano en Côte d'Ivoire? Pour reconnaître un fonctionnaire de la Côte d'Ivoire, il faut avoir un mécano. As-tu un mécano en Côte d'Ivoire? Tu es un mécano en Côte d'Ivoire? Tu es un matricule en Côte d'Ivoire? Non, pas toi. Vous ne savez pas sur les réseaux sociaux. Tu ne me connais pas d'abord. Mais du fait que tu as prononcé deux choses. Là où moi, je t'attends. Tu vas envoyer ça dans la politique pour dire que non. La famille de Tata Kosselet, ils ne m'ont jamais envoyé. Je suis là pour les opprimer. J'estime que cette famille, peut-être elle ne peut pas parler. Par exemple, d'après toi, tu as trop la grande gueule. Quand quelqu'un a la grande gueule là, il faut envoyer quelqu'un qui parle comme lui aussi. Moi, ils ne m'ont pas envoyé. Mais je suis sorti comme toi parce que tu penses que... Non, tu m'as envoyé un message ici, non? Toi, tu ne m'as pas envoyé un message ici. Non, Choco, il faut faire vidéo comme moi. Quand tu fais vidéo, tu mets... je suis content. Clash-moi, champion, clash-moi. Il y a un message là. Il y a des clashés, pourquoi? Il a dit, faut te calmer. Le jour où il n'y a même pas là, ça vient. Et c'est dans ça là, tu allais tuer ta femme. Moi, il est Dieu, je répète. Son père est congolais, je sais. Je dis et je répète, Camille Makoso. Moi, je dis et je répète. Tu ne vaux rien en Côte d'Ivoire. C'est les petites filles, les bravadors, peut-être elle a donné que les enfants, les enfants bêtes, bêtes là. Et puis tu prends des enfants qui sont tellement bêtes. Hein? Ou non, on parle des choses qui sont tellement sérieuses en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de la politique. Nous, on parle des choses qui sont censées en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est Imou là qui va développer la Côte d'Ivoire? Tu penses où tu as invité les Junon là? Junon, c'est qui? Qui la connaît en Côte d'Ivoire? Qui la connaît? Bravador, c'est qui? Tu allais prendre et puis d'abord pour te minimiser. C'est pour dire que rêve, la preuve n'est que tu joues dans la saleté même là. C'est les petits sénis crambas là. Hein? Les enfants hein, issus d'une saleté pas possible. Même mon petit frère, Seni Kramba, mon dernier même. Seni Kramba ne peut pas s'arrêter devant lui. C'est-à-dire que c'est des enfants sales, sales là. Ceux-là. Les manchés là. C'est eux qui prennent ça aujourd'hui. C'est eux qui prennent là. Mais Irénie, son père, il n'a jamais été gagou. Mais qui dit que son père est congolais? Ça me fait mal parce que c'est pas mon palabre. Je vais faire une vidéo. Je dis, tu sors, je sors. Comme tu dis, tu es arrivé. Hein, tu veux me donner du travail. Ce travail-là, moi, tu vas me donner. Du fait que tu veux mettre le nom du président Laurent Gbagbo. Et je vais faire une vidéo pour interpeller le ministre Charles Blé dans ma vidéo. Du fait que, pour un cas pareil, tu viens mettre le nom de son papa dedans. C'est dans ça que tu veux arriver. Si tu veux la Côte d'Ivoire, là, faut non pas te relâcher. Mais si Camille Makoso, si ce pays-là change, toi et moi, tu as ton genou pour me demander pardon. Tu es garçon, non? Tu es garçon? Je suis garçon. Toi, tu comptes les gens, non? J'ai sous mon commandement en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Kadé, Benjamin, même mes promos, sous mon commandement, je peux avoir au moins plus de 2000 gendarmes sous mon commandement. Parce que mes cadets, mes Benjamins, les Benjamins de mes cadets, les cadets de mes Benjamins, je ne les connais pas. C'est-à-dire sous mon commandement. Mais là, je vais voir où tu dis que tu vas prendre tes Chinois ou bien tu vas prendre tes pasteurs. Là. Quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, là, je vais t'appeler, dit Makoso. Où toi-même tu es? C'est pas toi-même tu vas m'appeler. C'est moi-même, je suis premier devant ton bâtiment. Parce que tu es ma cible. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Tu es ma cible. Et toi, un pied de porc comme ça, tu sais ce que Makoso signifie?
Tu sais ce que Makoso signifie, pied de porc? Tu as honte de ton nom? Mais là, ton papa, c'est pas ton papa qui est là. Tu as fait, on va rentrer dans les choses qui ne sont pas bien. Moi, je n'étais jamais clashé. Hein. J'ai dit bien. Hé! Hey, bête l'homme là. Makoso bête là. Moi, je t'ai jamais clashé. Hein. Moi là, je t'ai jamais clashé. Pourquoi? J'estime que je suis dans mon coin. Les clashs sont deux choses qui ne... Parce que voilà pourquoi je dis, je ne veux pas me confondre. Le... C'est pas ton papa qui est là. Voilà ton papa. C'est pas ton papa qui est là. Je vais pas insulter le vieux parce que c'est un vieux, c'est un vieux, c'est un vieux. C'est pas ton papa qui est là, Makoso. C'est pas ton papa. Hein? Va dire ça à ta mère là-bas, à Dourou Razak. Voilà. Tu es en carême, va faire ton carême là-bas, chien. Il dit quoi? Il dit, il t'attend en Côte d'Ivoire pour t'enfermer. Ah! Voilà ton papa. Comme tu veux jouer à un jeu. Comme tu veux jouer à un jeu. On va jouer à ce jeu-là. Tu veux me donner du travail. Quand j'aurai mes temps libres. Parce qu'en ce moment, on est libre. Nous, on est assis. Il n'y a pas de marmaille. Non, il n'y a pas de marmaille. On est assis à la maison. Et puis, chaque fin du mois... On va aller sur le compte, on dit, ah, on paye la maison. On va envoyer l'argent aux enfants. Et puis on dit, allô, tu es où? Il y a un parmi les témoins. Toi, tu connais, va. Quelqu'un qui doit, il va te montrer ce qu'il y a dans la maison ici, là. Il a envie de te montrer, mais pour te dire que tu n'es rien même. Tu as l'argent, tu ne sais pas t'habiller. Oh, tu vas mourir pour laisser l'argent. Tu as l'argent, tu ne vaux rien. Tu n'es même pas classe. Hein? Oh, vraiment. Je m'arrête là. J'attends ta convocation. Non, je laisse pas son papa. Je laisse pas son papa. Papa me dit, laisse son papa. Je laisse pas son papa. Je t'attends en France ici. C'est Côte d'Ivoire qui a été regardé. Pour l'instant, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Parce que cette affaire de Tatiana Kosseri là. Cette affaire de Tatiana Kosseri là. Makoso, on passe quelqu'un qu'on peut frapper. Hein. Moi, là, il y a te prendre là. Il y a te piler comme mon petit frère. Toi, là, tes faux sons que tu donnes aux gens là. Moi, là, c'est nous aussi d'abobo. Je suis comme ça. C'est ça que tu dis aux gens là-bas. Moi, c'est pas nous aussi. Voilà. Je suis pas nous aussi. Blanche Priscilla, je gagne, excusez-moi, item, hein, je gagne ton père et ta mère dans cette histoire-là. Voilà. Quand ton chien de Makoso faisait ces bêtises-là, fallait dire, il gagne quoi dans cette histoire-là? Fallait lui dire, quand il parlait de moi, là, il gagne quoi dans cette histoire-là? Imbécile que tu sois. Vilaine fille. Il dit, il nous attend, il m'attend en Côte d'Ivoire. Le Goyavier, il dit, il m'attend en Côte d'Ivoire. Eh Dieu! C'est pas grave. La vie, c'est un choix. C'est le coup. C'est le destin qui nous a menés ici. Voilà pourquoi, toi, Camille Makoso. Mais je vais garder cette petite séquence-là. Tu dis à ton ami pasteur qui dit que j'ai violé. Moi aussi, j'ai donné ça à mon avocat aussi. J'ai dit, maître, il dit que moi, j'ai violé quelqu'un. J'attends. Comme j'ai violé quelqu'un, tu vas venir me dire. Parce que tu ne sais pas que viol, diffamation, c'est rien. Mais tu accuses quelqu'un de viol.
diffamation, si tu ne sais pas là, ce n'est rien. Ben, tu n'es rien. Makoso, excuse-moi, hein, pardonnez. Comme toi, tu dis tu n'insultes pas, tu manques que tu n'insultes pas. Moi-même, là, j'ai envie de t'insulter, mais c'est bon à cause des moments là. J'ai envie de t'insulter. Je te le jure que. Convocation, hein, il faut envoyer. Joël, tu vas répondre devant les tribunaux. Convocation, envoie. Joël te dit que je suis là. Ou bien tu penses que je n'ai pas de parents. Juste mes parents m'ont dit, mais attends, quand on te voit sur les réseaux sociaux, on va dire tu es seul, mais c'est quoi? Il dit non, ne vous mettez pas dedans. C'est un combat, j'ai accepté. Je porte ma croix. Elle est personnelle. On dit, mais on ne va pas permettre qu'on te menace, mon fils. Il dit, laisse-les parler. Ils n'ont qu'à parler. Tu tues enfin les gens et c'est toi qui viens. Non, je ne mets même pas au niveau même de Makoso. Tu tues enfin les gens et puis c'est toi. Et puis tu te joues les durs. Et c'est ça, tu te. C'est ça, tu... tu tues enfin les gens, tu te joues les durs. C'est si base la parole on t'a attrapé. Tu n'es pas Dieu. Il y a attendu ta convocation. Chien va. Makoso, il y a attendu ta convocation. Voilà. Si l'on t'a dit que pour te finir. J'interpelle ici toute personne. J'ose croire que je suis le côté visible de l'iceberg. J'aimerais vous dire ici, quand on se permet d'insulter celui-là même qui fait le combat des gens en Europe ici, partout à l'international, demain là, c'est vous encore qui allez prendre vos deux pieds là. Allez dans tout de Makoso, non? Hein? C'est vous, non? Voilà. Prenez vos deux pieds, allez là-bas. Nous, on dort dans tout dit. Nous, on est pauvres. Mais c'est les pauvres, là. Ta femme est décédée, tu demandes 200 euros à chaque fidèle. Imagine qu'il y a 500 fidèles qui t'envoient 200 euros. D'après toi, tu as 300 et quelques mille de fidèles, d'après toi-même, selon toi-même, selon tes chiffres. Ben, tu aimes bien les chiffres. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Le truc est là, c'est bon. Je peux m'adosser, c'est bon. Et lui, il dit quoi? Il n'est rien, pardon, à cause de Dieu, rentre en Côte d'Ivoire. Attendez, je vais t'appeler, mon frère. Je vais t'appeler. Ah, je t'appelle. Tu dis, je suis rien, non? Hugues, je t'appelle. Il faut décrocher. Et puis, tu vas me parler. Je te mets au défi. Vous qui parlez là, je te mets au défi. Paye mon billet et arrive en Côte d'Ivoire. Ah, tu décroches plus. Faut décrocher. Allô? Ah, tu refuses. Allô? Ok, il n'y a pas de souci. Allô? Tu décroches plus. L'état de Côte d'Ivoire que nous dénonçons matin, midi, soir.
qui font des trucs. On a parlé pour Arafat. Ahmed Bakayoko n'a rien fait. C'est pas toi un pingouin. Tu es sec, André Magne, là. C'est pas toi un imbécile, là. C'est pas toi un chien de Makoso. Toi, tu as parlé. Et puis, nous, on va avoir peur de toi. Mais tu, attends, tu es bête quand même, hein. Hey! Chers frères et sœurs, je t'attends. J'en ai fini. Tu n'es pas Dieu, oh. Si l'homme t'a dit que tu vas jouer, faut lui dire qu'il n'est pas Dieu, oh. Laissez-les parler, ils n'ont qu'à parler, mais ils sont pas Dieu, oh. Faut leur dire qu'ils sont pas Dieu, oh. Faut leur dire qu'ils sont pas Dieu, oh. Guy Roland, il ne peut pas décrocher. Hein? Makoso, il dit quoi? Il dit je suis long. Mais il fallait dire que c'est dans je suis long là-haut. Et il me prenait. Il dit je suis long. Oh, Makoso. Cette affaire, elle est trop bête. Oh. Yeah. C'est-à-dire, votre maillot, ça vous gêne toujours. Un des trois chocos femmes, un des trois chocos femmes. C'est ma faute. C'est ma faute. Est-ce que c'est de ma faute? Il y a des gens même là, ils ne drapent pas où, et puis ça vient à eux. C'est pas de ma faute, Makoso. Toi au moins, ça t'obéit même l'argent devant. Non, même pas l'argent devant. Depuis tout petit même. Ma mère ne m'a jamais appris à draguer une femme et puis mettre l'argent devant. Mon frère, ton avenir est déjà gâté. 1, 2, 3, toi tu es pauvre. Mes enfants ont un iPhone. Toi tu fais un projet. iPhone, on a ça, on prend, casse, matin, midi, soir. Ce n'est rien devant nous ici. Ce n'est rien. iPhone, nien iPhone, téléphone. On a eu combien de téléphones? Il y a au moins plus de 6 téléphones. Samsung, iPhone, iPad, il y a tout. Mais c'est quoi ça là? On trouve que ce n'est rien, c'est le matériel, comme Makoso. Ma maison en Côte d'Ivoire, après la guerre, je n'ai même pas pris une aiguille. La seule chose que j'ai pris pour quitter la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire mes économies que j'ai laissées dans ma maison. En Côte d'Ivoire. J'ai pris ne serait-ce que un jean, un haut. Et j'étais dans les rues en train de combattre. J'ai pris ma carte professionnelle. J'ai mis 6 mois. Voilà. C'est tout. Maison là. Il dit non qu'à prendre. Maison là, non qu'à prendre. Ça te fait mal parce qu'il a mis pas. Ça te fait mal. Parce que j'ai pris. J'ai réceptionné. Il faut sortir. Et puis quand tu sors là, j'ai dit, il a dit appelez Makoso. Que nous, on n'a qu'à faire vidéo. Tu es malade. Qui va te donner ce privilège là? C'est les enfants qui ont fait là, qui te donnent ce privilège-là, qu'on fait le vidéo. Celui qui a la babichette jaune, là. Hein? Il n'a qu'à faire vidéo. Il n'a qu'à faire vidéo, il va me poser des questions, tu vas répondre. Tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Tu ne peux pas effrayer quelqu'un. C'est les petits-fils du nom qui ont fait Abidjan dur. Tu n'as pas de rentabilité, Abidjan, c'est difficile. Elle a fait quoi? Tu confesses sur Facebook, si ça payait là, nous-mêmes, on a avoir guère que tes points et puis les bravades, on a avoir guère que eux. Si ça paye, si Facebook paye là, moi là, il y a avoir l'air que cela. Mais il n'y a rien. Non, Guy Roland, il ne peut pas décrocher. Laisse Naga finir cela. Il ne peut pas. Il n'y a qu'à voir. Mais c'est vanité. C'est ça qu'il s'en fait là. Non, il n'y a même pas. Il a mis boulet, il est fâché. C'est qui ça là encore? Qui a raï ça là? Ah, tu quoi? Tu es un réfugié politique. Tu dis quoi même? Et c'est la même raï ça là. Elle dit pas le. C'est tata. Elle est bêtise. Ma cause, c'est les bêtises. Nous, on vit mieux. Nous ne sommes pas des vantards.
on vit tranquille. Voilà. Nous, on vit mieux. On n'a pas l'argent. On ne vaut rien. Mais rien ne nous vaut. On ne mange pas chez quelqu'un ici. Il ne sait pas comment habiller. On dit non. Hein, quand tu as faim, il y a le manger chez le voisin. On ne fait pas ça. Tu as faim, c'est entre Choco. Appelle un là. Attends. Je vois. Hein? Non, Makoso est venu. Makoso est venu faire du vouvouzela là. Mais il ne va pas décrocher. Makoso est venu se faire voir. Parce qu'il sait qu'il dit sa vie sur les réseaux sociaux. Mais nous, notre vie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Notre vie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Notre vie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Makoso. On n'a pas l'âme, on est chic. On porte les vraies choses. Toi, tu viens, tu dis, quelqu'un qui a l'argent, écoutez bien, Makoso dit il a l'argent. Mais quand il vient à Paris, ça vient à HM. Un villageois! Allô? Allô? Oui, comment tu vas? Ça va bien, Choco, et toi-même? On est calé. Dis-moi. Je dis, j'ai vu le direct de Makoso là. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout de suite là. Tu sais pourquoi? Non. Parce que ça fait 2 mois, ma propre petite soeur, même père, même mère, est décédée. Ma propre petite soeur qui est venue après moi, elle était dans un foyer compliqué. Un foyer très difficile. Une fois, je me rappelle, ma petite soeur m'a appelée et me dit, Christelle, ça ne va plus, je ne supporte plus. Je lui ai dit, viens. Mais à cause des enfants, quand ma pauvre petite soeur est venue chez moi pour 2 semaines, je lui ai dit, mais il faut rester. Je vais acheter un congélateur, acheter tout. Comme tu sais, faire les jus, la cuisine, on va s'en sortir ensemble. Mais elle n'a pas pu supporter à cause des enfants, elle est retournée. Et Dieu m'a béni. Moi, je suis venue au Canada. Mais derrière moi, j'apprenais des sons. Les gens m'appelaient et me disaient, ah, ça ne va pas. Le monsieur, là, il maltraite ta petite soeur. Il a une maîtresse. Il ne s'occupe plus d'elle. Pendant ce temps, j'avais des... Oui. Allô. Excusez-moi. En fait, ça va. Vous êtes qui? Je suis personne. Je suis une fille qui souffre à cause du décès de Kosséré. Père, moi aussi, ma petite soeur est morte. Yako, vas-y, ma chérie. Mm-hmm. Donc, quand je suis arrivée ici, les gens m'appellent et me disent, ta petite soeur souffre. Moi aussi, arrivée derrière l'eau, il faut se chercher, il faut travailler. Quand j'appelle, on dit, ça va pas. Quand je l'appelle, je dis, bébé, il y a quoi? Elle dit, ça va. J'ai dit, hé, si ça va pas, faut prendre tes bagages, tu es allée en famille. Elle dit, ça va. Il y a 2 mois de cela, ma petite soeur est décédée. Elle est morte dans ce foyer-là. Dans la souffrance. Quand on lui disait de quitter, elle dit, elle quitte pas. Quand on lui dit de partir, bon, pas qu'elle dit, elle quitte pas, mais qu'elle regarde ses enfants. Tu comprends? Elle n'est pas allée loin dans les études. Elle ne travaille pas, c'est le monsieur qui fait tout. Donc, quand je regarde Makoso aujourd'hui, le premier jour que Tatania Kosséré est morte, quand moi j'ai lu sur First Magazine, il y a un monsieur qui a posté pour dire que ah, la femme est morte sur une couche sur à l'hôpital, après l'opération. Nous tous, on a pleuré ici. On dit, oh, la pauvre. Vraiment, que son âme repose en paix. Le lendemain matin, on n'a même pas encore fini de se brosser les dents. Quand on apprend que non, c'est à la, quand la, c'est la fille de Makoso a mis la vidéo, que c'est à la maison, elle est morte. J'ai dit, ça là, ça ressemble à quelque chose qui n'est pas bon. Après encore de version à version, d'Avicenne n'a pas Avicenne. Jusqu'à, vous ne connaissez même pas le nom d'Avicenne, l'autre dit Ivicenne, l'autre dit Tanvicenne. Donc c'est pour dire, ce que Makoso est en train de faire là, sauf si Dieu n'est pas moi à la croix pour nos péchés, Jésus, il sera attrapé lourdement. Ça se sent même. Moi-même, ça me fait mal quand je vois ces fidèles qui sont là, qui sont... Je ne sais même pas si c'est un médicament ou c'est parce qu'ils sont bêtes, je ne sais pas. Mais quand tu vois le monsieur là, ça a pu à distance qu'il est dans sa marmaille. Mais la marmaille qui est là, là, est un temps pour toute chose. C'est-à-dire que oui, je pense qu'il est fort là. C'est là que Dieu va mettre stop. Dieu va mettre pas et puis pour lui, est fini. De toute façon, que ma petite soeur est morte. Mais elle, ma petite soeur, elle est morte parce qu'elle est tombée malade. Donc,
Elle est tombée malade. Un chien qui l'a mordu. Elle a été négligée. Elle n'a pas pu faire les vaccins. Bon, vraiment, cette histoire, elle est tragique. Donc, vraiment, je prie de tout mon cœur que le Seigneur ne laisse pas cette histoire-là comme ça. Et je veux dire à toutes ces femmes qui t'écoutent aujourd'hui, il n'y a pas cimetière de femmes célibataires, mes sœurs. Quand vous êtes dans le foyer, que vous voyez que ça ne va pas, hein? Vous avez essayé d'appeler les oncles, les tantes, vous avez essayé de manager le monsieur, que ça ne va pas là. Prenez vos bagages et dégagez. Vous prenez vos bagages et vous gagnez en temps. Parce que même les soucis qui sont là, là. Mais quand tu voyais Tatiana, c'est vrai que Marcos était partout avec Tatiana Kosseré. Mais quand tu la voyais, tu sentais que la femme, là, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Elle riait jaune. C'est comme ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. La dame là riait jaune. Donc si ça ne va pas dans les foyers, la messieurs, elles ne mourront pas. Parce que quand tu meurs puis tu laisses tes enfants, qui va s'en occuper comme toi? Qui va s'en occuper comme toi? C'est mieux d'être célibataire et pouvoir t'occuper de tes enfants que de mourir. Comme aujourd'hui, Tatiana Kosseré et ma petite soeur Josée. Je vous en supplie. Peut-être que Makoso va s'en sortir, la justice de la Côte d'Ivoire la connaît. Mais, il faut parler à tes soeurs, mon frère. Si ça ne va pas dans le foyer là, elles n'ont qu'à quitter. Elles n'ont qu'à partir, laisser les milliards et aller vivre quelque part pour pouvoir regarder leurs enfants, même si c'est à distance. Au moins, tu regardes ton enfant. C'est tout ce que je voulais dire. Je t'encourage. Que le Seigneur te bénisse. On te soutient. Merci bien. On te soutient. Merci bien. Donc, allons-y. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bon, chers frères et sœurs, merci bien parce que je ne suis pas un personnage gourmand. Je constate que vous avez fait 1000 partages. Allez dire à Camille Makoso que moi aussi, ayant fait l'armée, voilà pourquoi on m'appelle général. Je suis le petit-fils d'un général, voilà pourquoi on m'appelle général encore. Donc, si toi tu estimes que tu es général, moi aussi je t'attends sur mon terrain. Makoso, ton bas billet, viens en Europe ici, hein? Viens en Europe ici, et puis tu vas venir porter plainte. Moi aussi t'attends. Comme tu dis de venir en Côte d'Ivoire, tu m'attends, non? Viens en Europe ici, viens porter plainte ici et t'attends. Voilà, moi c'est fini pour moi. Ce que tu peux influencer là, j'ai mal parce que je ne veux pas prendre. J'ai dit, cette vidéo, je n'ai même pas fait de. J'ai laissé même la famille Kosseré à côté même. Je n'ai même pas. Hey, Seigneur Jésus, si c'était moi. Oh, hey Dieu. C'est la famille Kosseré qui sont en train de faire des trucs. Et puis on voit que la famille. Hey, Nyawa, Mounyan, Nyambe, Inadre. Et mon papa. Hey, Seigneur. Hey, comment ça me fait mal comme ça. En train de dire, je peux dire non. Hey, j'ai envie de changer mon nom. J'ai envie de changer mon nom. Oh. Merci, Kofi. Non, c'est, je vous le jure, j'ai envie de changer mon nom. Bon. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, allô? Mon oui. Frère, c'est PA Jaguar. Oui, on dit quoi, mon frère Jaguar? Oh, je suis là, je suis là avec toi, on est là. Seulement, j'ai une petite chose à accomplir avec nos téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Oui, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Les gens qui sont en train de suivre Makoso bêtement, ils ne comprennent pas. Numéro un, comment un quelqu'un comme Choco qui a battu pour son pays, un gendarme, un ancien gendarme qui a souffert pour son pays. Et puis quelqu'un qui dit que je suis pasteur et d'origine, il n'est même pas ivoirien. Il est d'origine congolaise. Il est d'origine congolaise. Maintenant, il dit qu'il est pasteur. Et lui seul est en train de dire qu'il est cinq personnes. Cinq personnes à une personne. Quand ma personne vient à l'église, il est pasteur. Quand il est réseau social, il est autre personne. Il peut parler de fesses, il peut parler de pénis. Comment un peuple peut accepter un serpent qui est en train de ouvrir sa bouche a dit si je suis à l'église, on me prend comme ça. Si je suis dehors dans l'église, on me prend comme ça. Et quand 14 000 personnes le suivent, est-ce qu'ils ont mis le sens dans la tête des gens? Un diable a visé qui
en train de parler vis-à-vis, je suis comme ça. Les gens sont comment? Un pasteur qui sera quelqu'un, moi, je ne suis pas ivoirien, bah, je suis chrétien. Tellement que cette monsieur utilise le nom de Christ, statue de nom de Christ, demande à ma femme est musulmane. Moi, je ne dors pas. Ça fait un mois, je ne dors pas. Bah, mais si Dieu est disponible, on va aller jusqu'au bout. Soko, cette affaire, tu n'es pas la seule. Tu ne l'as pas seule. Cette Makoso est en train de braquer un peuple. Crucé à Côte d'Ivoire. Il est en train de lancer à quoi un homme s'appelle à Côte d'Ivoire. Nous avons tout le monde crédit qui va être un pasteur. Là, tu m'as dit que je peux être un pasteur. Par manière, je peux être un pasteur. En même temps, monter une somme pour moi, escroquer un nom. Vous, est-ce que vous avez vu ce que monsieur dit? Il suffit qu'il faut que Côte d'Ivoire l'accepte. En même temps, pasteur. En même temps, en même temps, il est coach. Comment dire aux gens qu'on a escroqué la joie? Chaque fois qu'il a un autre terrain, il faut qu'on l'accepte comme ça. Il y a combien de travail? Tout la porte, ils ont combien de travail? Est-ce que le pasteur ou le marmailleur, mais même si, un instant, c'est Michel Ba. Ça fait 8 mois que c'est Michel Ba a insisté, Makoso. Moi, j'ai cette vidéo. Akoutou, ça fait 3 mois que Akoutou a insisté. Dans son propre vidéo, Lolo Beauté, sa petite sœur, ça fait un an dans son message, elle a incité son frère, est-ce que mon frère est pasteur ou menteur? Pourquoi il vient me déranger aux réseaux sociaux? J'ai toute cette vidéo-là. Alors, est-ce que les jeunes n'ont rien? Les jeunes ne voient pas? En tout cas, si moi je suis vivant, il n'y aura rien pour ma conso à l'aube au Togo. Je sais qui je suis, qui je vous parle. Je ne suis pas un Ivoirien. Bah, quelqu'un comme ça ne peut plus me payer Togo pour aller faire quoi que ce soit. Il faut qu'il laisse ça à Côte d'Ivoire. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal que les Ivoiriens n'aient pas à voir la différence entre le diable qui est en train de parler et toujours à les manipuler. Tout qui est allé contre lui, il les a achetés. Tout le monde parle aujourd'hui, là, ça, c'est des choses manipulation. Tout est déjà programmé. Il dit qu'il va accepter les questions. Pourquoi il n'a pas accepté les questions comme toi, Choco, tu es en train de le faire actuellement? Il a fait des questions qui, on dit ça en anglais, questions subjectives. Ce sont des questions subjectives. Il a accepté les questions parce qu'il sait que c'est les jeunes-là qui vont le poser. Il s'appelle. Oui. Oui, je suis là. Il n'a qu'à être prêt. Voilà, c'est le pipi. Le caca vient. Le caca vient. Merci bien. Moi, le chrétien, on ne peut pas attendre que le marron soit sali. Ok. Sali Christ dans le monde entier comme ça. Ça, jamais. Merci. Frère, merci. Je t'encourage des choses que tu es en train de faire. Il y a beaucoup à dire. On va aller jusqu'au bout. Ok. Ça, nous, le chrétien, n'accepterait pas. C'est un escroc numéro 1 d'Afrique et on va la respecter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, je suis sur le direct de Choco. Vous êtes sur la bonne fréquence, ça. D'accord. Mais je voulais demander un truc que je ne comprenais pas. Ma conso n'avait pas dit que sa femme était morte au cours d'une opération. C'est ce qu'il nous avait dit au départ. Bon, là encore, il dit que sa femme mourait, elle a levé la main aussi.
il se tait. Oh, c'est un menteur. Bon, il disait aussi qu'un Morel avait les dents serrées. Non, mais je j'arrive pas à comprendre. Mais je sais pas pourquoi Makoso il fait ça. Et puis ça bidon là, vraiment, ça fait pitié, Tatana Yako. Moi j'ai dit, moi mon message, si que je lance, je rejoins la femme là. Le malaise là, c'est pas forcé. Parce que tu t'imagines, les gens qui tuent les femmes, et puis venir faire ça, c'est-à-dire, il fait même pas semblant. Makoso ne fait même pas quelqu'un qui a perdu sa femme. De Makoso comme ça, c'est-à-dire serré, il crie, il est, voilà, il s'en fout, il dit que non, je rentre, moi je me casse pour pleurer. La femme encore dans la glace. Mais pourquoi les Ivoiriens aussi sont comme ça, les Enis Zouno, les Apoutou, mais tout ça là, c'est quoi ça? Pourquoi les Ivoiriens sont comme ça? Moi, quelqu'un peut venir nous tuer et puis c'est fini. C'est comme ça, gratuit. Elles sont derrière en train de soutenir le criminel. J'ai honte pour la Côte d'Ivoire. Et nous, Zouno qui passe à la télé, qui soutient le criminel, j'ai honte pour la Côte d'Ivoire. J'ai honte pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci bien. Bon courage, hein. Vraiment que Dieu te. Tu vois les faits, ils vont tomber. Ils auront honte. Et nous, Zouno, là, sa carrière va finir. Si Makoso, on découvre Makoso, sa carrière va finir. Sa carrière va finir parce qu'elle soutient un criminel. Sa carrière va finir. Merci beaucoup. Merci bien, maman. Tu as un plaisantin comme ça. Hein? Quand tu viens te jouer la durci. Général Major, que Dieu te bénisse. Makoso, c'est moi qui ai fait ça là. Je pense que c'est moi qui ai envoyé un message à la personne qui est la voix la plus autorisée. Maîtrisant l'oratoire. Et capable de pouvoir. C'est pas toi qui parles ici là. Relever ce. Tu n'as même pas honte. Institut. Tu viens là, a dit que tu as telle personne. Tu as pris ma petite partie qui m'intéresse. Et toi, tu as menacé. C'est pas grave. Allô? Allô, oui, bonsoir Choco. Bonsoir. Bon, en fait, moi je voulais intervenir. Allez-y donc. En fait, par rapport à la sortie que Makoso vient de faire, je pense qu'il a un peu plus où il a expliqué que Dacito, que lui-même qui a traduit Dacito. Merci bien. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire et il faut continuer à s'occuper. T'inquiète pas, ça continue avec toi. La vérité va éclater. Dieu est grand. Voilà. Ok. Mais vous ne mettez pas le cœur, vous coupez le direct, hein? Non, quand il dit c'est juste le Dieu là, c'est pas, tu n'as pas compris le sens. C'est quelqu'un qui fait pitié. Mais c'est pitoyable, c'est vrai. Makoso, c'est un Congolais. Hey! Makoso, regarde. Major, regarde. Écoute toi-même, regarde. Je pense que. C'est tout ça qui te fait mal. Il a attrapé sa part. La voix la plus autorisée. À ces personnes. Maîtrisant l'oratoire. Et capable de pouvoir. Relever ce. Viens me répondre, Makoso, viens répondre. À ce vocal ici, là, viens. C'est un direct spécial. D'abord, qui sera pré-enregistré. Ou si tu veux le faire en direct, tu peux le faire directement en direct. Ça dépendra de toi. Je n'ai pas plein comme toi. Allô? Je n'ai pas plein comme toi. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, monsieur, comment vous allez? Yeah. Oui, ça va bien. Salut, mon frère. Salut. Ça va très bien.
Il a honte de son papa. Même sa propre maman, même la honte. Donc, ma cause autant s'est filmé par les gens. Maintenant, il est attaché là, si tu me connais. Tu vas aller dans un domaine, il y a plein ça pour venir encore. Voilà, il y a plein ça pour venir ici. Mais c'est que tu es en train de pas. Où tu es en train d'entrer là? Où tu es faible, tu es en train d'entrer là? Non, c'est ça. La maman est en train de conseiller. Tu es malade. Toi, tu tues quelqu'un, ou même quelqu'un décède qui est avec toi. C'est toi, tu dois être, écoute-moi bien, imbécile, chien. C'est toi, tu dois être porteur de message. C'est toi, tu devais voir la famille de Tata Kosséré. Leur dit simplement que, ah, votre enfant est décédé. C'est ça. Imbécile, là. Je te dis ça. Ceux qui sont se réjouir avec toi là-bas, là, chez la famille Kosséré, là, ils vont se réjouir avec toi là-bas. Là. Parce qu'au fait, tu veux faire quoi? Diviser pour mieux régner. Là, il y a une famille qui est partie dire à la PJ, tu sais qui t'a convoqué là-bas, tu es conscient. Mais tu serais étonné. Tu serais étonné. Moi, j'attends la justice, je regarde. À cause de l'affaire de Tata Kosséré, je ne peux plus parler de ça. Je suis assis et je regarde, j'observe. Je t'attends. C'est là que tu peux naguer. Allô? Allô, général Choco. Oui, comment vous allez? Ouais, très bien, merci. Alors, Makoso qui est en train de mystifier tous les bêtés là, qui veut orienter le débat en débat politique, pourquoi il prend un avocat bêté? Pourquoi il prend un avocat bêté? Question. Alors, moi je ne sais pas comment les choses se passent en Côte d'Ivoire pour le moment, mais je voulais qu'on anticipe. Alors, je ne sais pas s'il y a un rassemblement de 50 personnes, ou bien au-delà de 50 personnes. Mais vraiment, il faut demander à la famille, à la Ligue des femmes, de commencer une marche blanche pour Tatiana Kosséré devant le palais de justice. Ou devant la cour de Makoso, ou à la mort, en tout cas, de commencer, d'anticiper, de faire les choses. De commencer, de faire bouger les choses. Makoso est d'abord, on a fermé la gueule un peu de Makoso. Ok, c'était ma participation, Choco. Merci bien. Ok. Bon, chers frères et sœurs, je pense que nous allons suivre cela. Moi, j'attends Makoso. Tous vocaux qu'il a envoyé à Kandem avec ses fils spirituels. Quand tu sors, moi aussi je sors. Du fait que tu associes le combat de la noblesse que je fais à celle de la politique. Tatiana, là, elle ne faisait pas politique. Voilà. Donc, il faut arrêter ça. Vous êtes allé prendre les cyberactivistes pro Gbagbo. Mais où il est arrivé? Il est tellement bas d'esprit. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est allé prendre les. Vous êtes allé chercher les cyber pro Gbagbo. Oh, c'est les cyber pro Gbagbo là. Ils insultent l'État de Côte d'Ivoire. On n'insulte pas l'État de Côte d'Ivoire. Allô? 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 Allô, bonsoir général Babadé. Comment vous allez? Je vais bien, Dieu merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce que moi j'ai à dire par rapport à la sortie de Makoso, c'est un peu fuyant. Enfin, en même temps que tel que le idée, comment il s'appelle là, hein? C'est ce démon de Facebook qui est en lui, qui s'agit, qui le fait sortir, il ne peut pas se contenir. Ça, tout le monde a vu aujourd'hui que tout ce qu'il dit de toi, il n'a rien à dire de toi. Rien de. En t'accusant de viol, en t'accusant de quoi, comment c'est faux. Ça ne tient pas. Et puis, il s'en va prendre des petits-enfants qui ne savent pas ce qu'ils font. On lit dans leur visage, et là, la pauvreté, la faim, c'est des petits-enfants qui ont faim et qui ont besoin de son soutien. Je ne sais même pas qui vient dire de ne pas choisir. Il ne peut pas prendre les vrais cyberactivistes. Il ne peut pas. C'est pas tout là. Et
pour comparer tout à ton comportement et ce qui vient. Un PD n'a jamais été une bonne personne. Mais il oublie ça, il crie, il s'expose avec ses joues, on dirait, je ne sais même pas. Il se fait trop voir. Mais c'est dit clairement, pourquoi il s'est tué? Tu étais en train de nous le dire, mais tu n'as pas fini. Il s'est tué ces derniers temps, en tant qu'il tremble. Ton chef Camille Makoso fera peut-être un miracle pour qu'il reprenne. Je te dis, papa, de nous te soutenir, n'aie pas peur. Non! Moi, j'ai aimé ton sang-froid parce que tu n'as pas. Jamais avoir peur dans cette histoire-là. Tremblé, tu es sorti comme d'habitude, tu es resté calme avec le sang-froid, tu nous as parlé. Il ne va pas croire. Il ne va pas croire parce que tu sais ce dont tu parles et puis le reste, les bonnes choses restent à venir. Il le sait aussi. Il le sait. D'accord. Merci beaucoup, papa. Allô? Oui, allô, bonjour. Bon, je voulais intervenir avant direct. Ah, allez-y. Allô? Ah, madame, vous avez la parole. Oui, bah moi j'appelais pour dire pour un vœu. Franchement, je trouve Makoso vraiment heureux. Alors, pour quelqu'un qui vient de perdre sa femme et sortir faire un direct pareil, je trouve ça franchement honteux. Pour moi, c'est honteux la preuve qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Parce que pour quelqu'un qui est soupçonné d'avoir tué sa femme, pouvoir venir faire un direct, déjà un, pour naguer les gens, pour naguer les parents de sa femme. Pour un veuf, je trouve ça franchement moyen, quoi. J'espère qu'un jour, la politique ivoirienne changera, quoi. Et que personne ne pourra se lever et raconter du n'importe quoi sans être puni, quoi. Je trouve ça vraiment lamentable. D'accord. C'est honteux. À sa place, j'aurais été sa soeur, je lui aurais dit, bah, franchement, t'es devenu zéro. Là, t'es plus bas que t'es. Tu ferais mieux de te cacher, quoi, parce que c'est honteux. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ces jeunes choses. Qui viennent en Europe, ils veulent porter plainte comme toi, non? Et qu'il y a des avocats, mais qui viennent en Europe. Nous, on l'attend ici. La Côte d'Ivoire, ils font ce qu'ils veulent là-bas. Ils se prennent, ils font ce qu'ils veulent. Mais qui viennent en... Il y a de la chance que la famille de Tatiana sont gentils parce que ça aurait été ma soeur à moi. Même qui connaît qui veut Ahmed Bakayoko ou qui c'est qui veut, lui, Makoso, il aurait pris cher. Un malheureux comme ça, franchement, j'ai honte à sa place. Merci bien, madame. C'est ce que je voulais dire. Bon, ben, merci. Bon, chers frères et sœurs ivoiriennes, ivoiriennes, je vais clore ce direct. Juste vous dire que soyez sereins. Makoso, moi, je t'attends sur ce piédestal-là. Ici, c'est l'Europe, comme tu dis si bien. C'est à Abidjan, tu peux faire du n'importe quoi. Ou tu vas menacer, ou nous-mêmes, tu vas nous menacer dans le cas d'entrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Comme tu dis, ici, c'est la libre expression. Tu peux aller porter plainte comme tu veux. Moi, je suis là, je ne vais pas t'empêcher. Je t'attends. Porte plainte contre Choco à ta Miram. Comme tu dis, c'est sur moi seul que tu es arrivé. Tu as dit dans ta vidéo, je crois que tu vas rendre compte. J'attends. Déplaise, j'attends. Ça va combien de temps tes enfants disent ça? J'attends. Ou bien c'est quand tu as venu en Europe ici. Je t'attends aussi. Je t'attends. Sois serein, nous on t'attend. On ne panique pas. Hein? Tu en prie. Ivoirien, je tenais à vous dire. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Choco. Bonsoir. Alors, c'est le prophète Jean-Luc. D'accord, allez-y. Franchement, tout ce que on a entendu, on a vu sur dans le direct de monsieur Makoso, vraiment, c'est décevant. C'est beaucoup décevant parce que il s'expose là encore, il se contredit encore avec beaucoup de dits. Et en plus, il se moque de la mémoire de sa femme. C'est ce qui est encore plus dangereux. D'après lui, qu'il aurait vu dans un songe ou bien dans une vision, sa femme en train de danser au paradis, disant que ouais, je suis au paradis ici. Et puis lui, il dit ce qui va manquer. Ce qui va lui manquer, ce sont les directs, son argent, ou bien ceci, cela. Donc, si je comprends, ce qui est au paradis, là, est insignifiant par rapport à son argent, par rapport à ses directs, par rapport à ses richesses. Au fait, ça, c'est une ironie. Se moquer
de la mémoire de la dame qui est morte. Ben, ça, il se fout des paroles là. Il se fout de la J'ai l'impression que celui-là, il est en train de devenir fou. Ça, c'est pas quelqu'un qui est normal. Ça, c'est pas quelqu'un qui est normal du tout. Il est en train de devenir... Parce que moi, je vois qu'il délit, quoi. Alors, tout ce qu'il est en train de dire, c'est contraire à ce qui est l'éthique même. Je sais pas, mais il a un souci. Donc, ça menace qu'il adresse à ton égard et tout ça, ce sont les c'est l'intimidation et c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. S'il y a une véritable justice là-bas, je pense qu'il ne va pas s'en sortir. Parce que depuis là, il a parlé, il a dit beaucoup de choses, beaucoup. De paroles contradictoires. Beaucoup. Des paroles qui l'incriment, des paroles qui le condamnent, qui l'exposent. Et c'est comme un menteur. Le menteur, lorsqu'il donne une version, quand tu fais deux jours, trois jours, tu vas lui demander, il va changer des paroles. Dans tout ce qu'il dit, il n'y a pas de cohérence. C'est du n'importe quoi, ce monsieur. Tout à fait. Moi, je ne sais pas si, pour finir, je ne sais pas, parce que je t'avais envoyé une vidéo. J'ai eu la vidéo. En fait, j'ai eu le songe, la révélation, et c'était le 19 novembre 2019. 19 novembre 2019. Voilà. Voilà, celle-là, j'ai eu le songe où Makoso avait vraiment perdu quelqu'un, ou bien lui-même, il devait partir et tout ça. J'ai fait le direct, cette vidéo-là est en pas là. Okay. La date est là. D'accord. Et pour, je lui ai demandé de se repentir, de chercher la face de Dieu avant même que sa femme ne meure. Et j'ai donné cette vision-là. La vidéo est disponible. Beaucoup l'ont déjà regardée. Mais jusque-là, il continue. Ça veut dire qu'il ne cherche pas à se repentir. Il cherche à s'enorgueillir. Il cherche à être comme c'est lui le roi. C'est lui qu'on doit craindre. C'est lui, on doit avoir peur de lui. Partagez mon direct. Partagez mon direct. J'ai dû avoir 30 000 vues. C'est ça là. Merci bien, merci bien. Nous n'en partageons rien ici. Voilà. Nous n'en dit pas aux gens partager, il y a 30 000 vues. Regarde. De toi à moi-même là. De toi à moi. Makoso, rien. Il y a qui t'est entouré. Mais attends. Hein? Apoku National. Seni Krangba. Et Bravador, les Buzz de Flora, Enis Junon et Lolo Beauté. C'est ceux-là. Mais attends, tu nous prends. Tu nous prends pour des. Ah, Dieu, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oh! Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Choco. Oui. Oui, bonjour. Félicitations de travaux à toi. Ce que je voudrais dire, ce Makoso-là, il t'enverse sa fin. Mais il faut, moi je suis ici, je voudrais faire quelque chose. Moi, sa soeur s'est retrouvée en France dans le même temps. Et ça, il y a une explication. Ce sont des périls de partie. Voilà, donc ne t'inquiète pas, tout le monde arrête toi. Makoso est en train de mourir à petit feu. C'est un voyou, comme sa petite soeur, sa petite bandite soeur qui pense qu'elle est quelque chose. Alors Dieu les a séparés pour les mettre à l'épreuve, là. S'ils ne peuvent pas comprendre ça, bon, ils sont dans la merde. Voilà. D'accord, merci bien. Flora Buzz. Bon, Makoso, ça se constitue là. Flora qui est... Seni Krangba. Ré, c'est qui cela? Il faut vidéo. Non, Makoso, tu es le général. Dis ça, tu prends Apoutou, le même Apoutou là. Le même petit Apoutou là. Apoutou, faut te baser sur le smartphone et tu racontes, c'est ça là. Oh non. C'est bon, chers frères et sœurs. Bonne soirée, que Dieu nous bénisse. On est là. Mais cette affaire là, comme je dis, on est là. Maintenant, je tiens à te dire, comme tout chez toi, ça se résume à la femme.
tes petits-fils, de tes petits-fils sales que tu vas envoyer sur moi là. Hé, hey, Makoso, un encas joué moi. Il y a les grecs cadeaux. Tu comprends, non? Écoute-moi bien. Hé, hey, il y a les grecs cadeaux. Allô? Allô? Oui, le direct est... J'ai coupé, hein. Donc, la prochaine fois. Mais regardez. Mais ça, mais c'est... Regardez ça, là. C'est de ce foutement de l'intelligence des Ivoiriens, rien. Ah, poutou. L'enfant qui n'a pas encore fini de têter. C'est ni Krangba. C'est qui? Ah! Bravado. Qui est ce maigrichon-là? Les belges de Flora. Mais quelle est cette gamine? Ennis. Non, Makoso, on a dit que c'est comme ça, hein, parce que la petite fille est une chroniqueuse, mais on ne peut plus respirer. Mais je te le jure, mais regardez, mais il va regarder, regardez de qui s'entoure, regardez. Bon, bro, Seigneur Jésus, non, je dis, Makoso, faut appeler même ta lustre là. Il y a la gâtée. Hein? Ben, tu mens. J'attends ton message où tu m'as écrit et puis il me suis fait passer pour une femme. J'attends ton message. Tu es un menteur. Ah, ça, on te suit. Je vais revenir encore sur toi. Je vais revenir encore sur ta vidéo là. Je suis sorti. Je considère que je suis sorti comme ça. Mais je l'ai travaillé. Je vais revenir. Tu nagues une famille. Tu nagues des Ivoiriens. Comme les Wafo là. Vous tous. Les candèmes là. J'ai essayé de... Tu fais peur à qui même? Tu fais peur à tes fidèles? Sinon, tu fais peur à qui? Si tu t'envoies les filles là derrière moi, tu connais pas où? Et si tu me connais? Tu penses que ce sont des petites organisations à deux bas où vous mettez entre les couloirs là-bas? Ah, pour tu, oui! Hein? Je suis parti chez quoi, Tamira? Mais l'enfant te demande, il habite où? Non, moi, mais je sais pas où il habite. Et puis, il est dans quel pays? L'enfant demande même. Tu dis, tu es parti chez Choco à Tamira. Quand tu te déplaces pour aller chez un garçon là, tu connais où tu vas quand même? Moi, comme ça là, quand je vais en France, peut-être je vais à Poitiers ou bien à Tours chez mes parents. Mais une femme m'a invité et puis je ne sais pas où je suis parti. C'est-à-dire, ces organisations là, vous avez fait ça de l'intention qu'on vous regarde. Non, je suis allé chez Choco à Tamira. Il y a ma sauce pendant 3 jours. Il n'a pas préparé. Mais l'enfant te pose la question. Mais chez quoi Tamira, il habite où? Moi, je ne sais pas. Tu es femme. Ça, là, c'est femme aussi. Mais quand vous devez prendre, ayez des informations adéquates. Là qu'on parle. On dit, ah, d'accord, c'est vrai. Mais vous n'apportez même pas un justificatif. Moi, j'ai dit Camille Makoso a tué sa femme. Il est en train de passer par ici pour qu'on l'aide. J'intercepte. Candem, si c'est ça là, il faut aller prendre un avocat, il faut aller prendre quoi, un médecin, même un docteur, ta fille, pour venir témoigner dans son problème. Tu l'as dit, mais tu ne l'as pas dit, c'est là encore. Hein? Mais Makoso, bon, les 3 filles que tu as envoyées là-haut, les Enizino, appelle Enizino, c'est ma. Voilà nos villages. Voilà nos villages à la montée juste là-bas, les Enizino. On est, c'est vrai que quand tu marches à 5 minutes de pied, même à pied, hein, écoute-moi bien, à pied, les Junons, ils sont en haut de nous ici. La famille Junon, on se connaît très bien. On n'est pas loin. Voilà Balouzon. Voilà le village de Junon. C'est pas loin. Il faut les appeler. Pour ceux qui connaissent Dalo, là. Je suis de Balouzon. Voilà Balouzon. Voilà. Si la côte, là, c'est là-bas, le village de Nice se trouve. Et même, il faut les envoyer. Il y a mes boulets. J'ai rêvé encore. Tout ce que tu as pris comme. Hein, donc, quand ils te posent des questions, tes questions préenregistrées, tes questions. Les fleurs à buzz. Elles cherchent. Parce que Makoso va dire les noms.
Sois béni, ma grande, grâce à l'aime. Parce que ma grosse va dire les noms. Je reviens. Je préfère m'arrêter là. Merci. Et nous, sinon, Nia, ce que tu t'es mis dedans, moi, il a été délivré. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et tu es là, tu viens, tu causes. Hé! Il y a vous clasher. Il vous a dit, tout ce. Il n'y a même pas vous clasher même. Demain, il y a vous prendre un à un là. Vous allez comprendre. Tous celles ou ceux qui vont se mettre d'une manière perpendiculaire, parallèlement au dessus de Tatana Kosele, soyez loin. Parce que ça, ça vous dépasse. Demandez à Makami Makoto pourquoi son papa est mort. Il dit son papa qui est Kassi Dazito, non, son vrai papa le renom. Demandez-le, Kassi Dazito est mort de quoi? C'est pour mentir qu'il est mort de tumeur, non? Ah oh, vous voulez l'information? Il n'y a pas de problème. Bon, la régie, c'est bon, hein, tu peux, quand tu peux emballer, c'est bon. Si l'homme t'a dit que pour le finir, on lui dit qu'il n'est pas Dieu. Si l'homme t'a dit que tu vas jouer, on lui dit qu'il n'est pas Dieu. Laissez-le parler, il n'aura pas les parler, mais ils sont pas Dieu. On lui dit qu'ils sont pas Dieu. Merci à tous. Et encore, Yako à la famille de Tatana Kosele. Ainsi va la vie. Quand on vous prend pour des, quand vous ne parlez pas, on vous prend pour des bêtes comme ça. Je, mon message, demain, mon message à la famille Tatana Kosele. J'ai le cœur qui bouffe. Nadré, j'ai le cœur qui bouffe. Je vous le dis en vérité, j'ai le cœur qui bouffe. Inana, il y a un débat. Je vais vous parler. Je ne me retourne pas comme vous, mais je vais vous parler. Inke a dit ça, kikei. Yéba Yerbo, vous avez vu. Quelqu'un vous est en train de cajoler dans le sens du poil. Quand je suis en train de parler là, je vous ai dit, c'est pour vous même mon palo. C'est pour vous même mon palo. Vous voyez comment un imbécile comme ça se met là, en train de vous traiter. Il est en train de vous traiter. Merci.